Très bien. Alors, les organisateurs de cette conférence m'ont fait l'honneur de me convier à dire quelques mots avant que Alexandre Douguin prenne la parole. C'est très aimable à eux, mais dans le même temps, c'est très gênant pour moi, car c'est un honneur que j'ai tout à fait conscience de ne pas mériter. Alexandre est un grand intellectuel, un de ceux qui produisent de l'idéologie, des concepts et des vues du monde nouvelles. Je ne suis qu'un passeur. Toute mon action depuis une trentaine d'années s'est limitée à faire découvrir en France des penseurs inconnus ou tombés dans l'oubli, via l'édition ou le travail d'écriture. Rien de plus. Et cela étant, je n'ai pas de honte à avoir pour le travail que j'ai pu effectuer, car beaucoup d'idées et d'auteurs qui sont maintenant du domaine commun dans la mouvance nationale doivent leur révélation à mon travail de longue haleine de traduction et d'édition. Et si vous avez pu lire Alexandre Douguin en français, un jour ou l'autre, si vous le lirez peut-être demain, c'est bien parce que j'ai eu l'occasion de solliciter des traducteurs, de payer des traducteurs, de faire publier une partie de leur travail ou de mettre en ligne le reste. Donc, si vous êtes là, je me dis, bon, c'est un peu grâce à moi. Voilà, je me suis tressé mes propres louanges, j'ai fait preuve d'une autosatisfaction tout à fait puérile. On va donc passer maintenant aux choses sérieuses. Donc on m'a demandé de vous parler du rôle géopolitique des antifas. Mais avant cela, je vais faire une incise plus personnelle. Mes premiers contacts avec Alexandre Douguin datent de juin 1992. Le bloc soviétique s'était effondré un petit peu avant, en décembre 89. Et pour la plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour comprendre ce que ça a pu être pour nous, qui étions des militants nationaux déjà à cette époque-là, ce que ça a pu être pour nous comme chose d'extraordinaire, puisque nous le croyions immortel. Nous le croyons immortel et nous avions été élevés à le craindre et nous avions été élevés à croire qu'un jour ou l'autre les tanks soviétiques rouleraient dans les rues de nos villages. Pour vous dire une chose, un exemple tout à fait concret, à cette époque-là j'étais officier de réserve. J'étais officier de réserve à la fin des années 80. J'ai participé à des manœuvres où nous défendions Saint-Nazaire contre l'armée rouge. Donc si on défendait Saint-Nazaire de façon à ce que les troupes américaines puissent faire débarquer du matériel à Saint-Nazaire, donc ça voulait dire que les Russes avaient quand même dépassé Angers, ils n'étaient pas très loin de Nantes pour que nous défendions Saint-Nazaire. Donc c'était quand même ça l'idée dans laquelle nous avons été élevés. Donc un jour, on voit s'effondrer le bloc soviétique. Et puis, très rapidement, on se dit, ah ben c'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait, et nos réactions ont été très rapidement des plus mitigées, parce que ce qui se passait à l'Est, en fait, ce n'était que la reproduction de ce contre quoi nous luttions à l'Ouest. Et on voyait à cette époque-là, en fait, à peu près la même pourriture que celle que nous connaissions à l'Ouest, qui allait s'implanter à l'Est. Alors, à cette époque-là, je militais dans des petites organisations, des petits groupuscules, et nous avons eu une volonté, c'est de prendre contact avec nos épigones qui étaient dans les pays de l'Est, qui étaient en Russie, et c'est comme ça que nous avons rencontré Alexandre Douguin durant l'été 92, à une période où Internet n'existait pas, et où tout se passait par courrier, téléphone et par fax. Voilà. Alors quand je dis nous, c'est bien évidemment ce qu'on appelait à l'époque les groupes nationalistes révolutionnaires de l'époque, je ne sais plus lequel c'était, ça devait être un groupe qui s'appelait Nouvelle Résistance à l'époque, c'est ça. Nouvelle Résistance et le Front Européen de Libération. Alors, nous sommes tout de suite retrouvés en terrain ami avec les mêmes références à la révolution conservatrice, à la tradition et à l'empire véritable. 20 ans après, vous voyez, nous sommes toujours là, côte à côte, et notre accord est resté constant. Et si cet accord est resté constant, eh bien je pense que c'est parce qu'au-delà des idées politiques, nous avions la même vision du monde. Alors, j'ai pas le temps là, mais si je l'avais eu, j'aurais bien ironisé sur les rapports qu'en parallèle a entretenu pendant 20 ans la mouvance nationale avec ses épigones russes.
Hein. Il y a eu là à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire. À peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire, un mélange de parodie, de pose et de provocation, hein, qui les a constamment conduits, au lieu de rechercher ce qu'il y avait intéressant dans la Russie, hein, à rechercher ce qu'il y avait de plus provocateur, de plus paranoïaque et de plus ridicule. Hein. Ça a commencé par le soutien aux franges les plus provocatrices de Pamiat, après ça a été le soutien aux crypto-nazis de l'Union Nationale, hein, et après ça a été l'enthousiasme pour le PNB de Limonov, hein. Et plus récemment, quand je vous dis plus récemment, c'est dans les 3 ou 4 dernières années, j'ai vu un certain nombre de blogs et de groupes, hein, tresser les louanges de ce que nous appelons les oranges bruns, islamophobes, des gens que de Belov ou des choses comme ça, ou se rendre à Moscou, certains l'ont fait, je ne vous raconte pas des blagues, certains l'ont fait, pour y tenir une conférence internationale sur l'avenir du monde blanc. Voilà. Pourquoi faire ça à Moscou en y faisant venir des gens du plus cluxon des États-Unis? On sombre dans le ridicule. Voilà. Bon. L'extrême droite française, nous le savons tous, hein, est ridicule, méprisable, parodique. Quand elle agit dans notre pays, hein, quand elle agit à l'international, il n'y a pas de raison qu'elle soit différente. Donc elle se choisit des alliés qui lui ressemblent. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai dit toute cette méchanceté, n'est-ce pas, et que j'ai jeté ma bile sur des gens qu'on dit proches de moi, je vais revenir au sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est-à-dire vous parler du rôle géopolitique des Antifa. Et alors, pour parler du rôle géopolitique des Antifa, on va revenir un petit peu en arrière, pas très longtemps, on va revenir aux élections présidentielles. Hein. Et durant les élections présidentielles, il y a eu une affaire qui s'est appelée l'affaire Balm. Hein. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'affaire Balm, elle est assez intéressante parce qu'elle permet d'introduire la situation. Hein. Alors pour ceux qui l'oubliaient, rappelons ce qui s'est produit. René Balm, c'est un fils de résistant. Il est maire d'une petite ville qui s'appelle Grigny depuis 92. Donc c'est quand même un type qui est bien enraciné, il est régulièrement réélu. Il a été communiste, il était au PC, et il a quitté le PC pour rejoindre le Front de Gauche de Mélenchon. Il a rejoint le Front de Gauche dès sa création. Donc c'est un mec de gauche, c'est incontestable. Mais il n'est pas seulement de gauche, il est aussi anti-impérialiste. Et il anime un petit site qui s'appelle oulala.net. Et c'est là que le bât blesse, c'est là que va se poser le problème, hein, parce que dans ce site qui est assez modéré et assez mal fait, hein, René Balm publie des textes qui contestent la domination de l'Empire du Mal ainsi que les menées de l'OTAN, hein, qui expliquent leurs opérations militaires, qui dénoncent leurs opérations sous faux drapeau. Ce qui fait que René Balm, tout homme de gauche qu'il est, hein, publie parfois des contributeurs qui sont considérés comme des maudits, et c'est ainsi qu'il arrive à publier Soral, Katori, ou qu'il publie aussi Messan. Bah, ça lui est arrivé comble de l'infamie, si vous voulez, hein, à publier des textes que j'avais mis sur des sites dont je m'occupais à l'époque. Voilà, vous voyez vraiment, hein, ce type est de gauche. Hein. Et jusqu'en mai dernier, personne n'y trouve rien à redire. Hein. René Balm, il est investi par le Front de Gauche, et il doit représenter le Front de Gauche dans les législatives dans la 11e circonscription du Rhône. C'est à ce moment-là que deux magazines sur Internet, Rue 89 et Street Press, hein, déclenchent sur lui une vive campagne sur le thème de l'antisémitisme, du complot rouge-brun et du crypto-fascisme. Hein. Il n'est pas soutenu par le Front de Gauche, au contraire, il n'est pas soutenu du tout. Enfin, les mecs le poussent plutôt vers la porte. Hein. Et René Balm va être obligé de fermer son site et, dans la foulée, va quitter le Front de Gauche. Donc voilà la situation. Hein. A priori, elle est simple et banale, et c'est bien là le piège. Hein. Parce que si on se contente d'en faire une lecture factuelle, on ne peut pas saisir sa réalité et la place qu'elle occupe dans une stratégie générale de manipulation médiatique. Donc, il convient de revenir en arrière et de se souvenir que l'attaque que vient de subir René Balm, il y a quelques mois, n'est pas la première affaire dont sont victimes des militants qui appartiennent incontestablement à la gauche radicale. Alors, si on remonte un peu, pas très loin,
en novembre 2011 et en février 2012, hein, vous avez deux activistes anti-impérialistes de gauche, hein, très connus, Michel Collomb d'Investigation et Victor Dedage du Grand Soir, hein, n'ont pas pu tenir des débats à Paris, je crois que c'était à la Bourse du Travail, ils n'ont pas pu tenir des débats parce qu'il y a eu des nervis d'extrême-gauche, hein, qui physiquement ont empêché qu'ils tiennent des débats. Durant le second semestre 2011, les militants de l'association Reopen 911, hein, qui est un groupe altermondialiste et pacifiste qui conteste la version officielle du 11 septembre, hein, ont de même été victimes d'agressions. Et les gens qui les agressaient étaient des gens qui se prétendaient anarchistes. On les a de surcroît non seulement lynchés physiquement, mais on les a en plus lynchés médiatiquement, hein, en les dénonçant comme des antisémites. En janvier 2012, je ne sais pas si vous avez entendu à un moment ou à un autre parler de Philippe Marx. Bon, il avait un nom prédestiné, Philippe Marx, hein, et Philippe Marx était un militant du PC. Hein, militant du PC qui était investi aux législatives en Meurthe-et-Moselle. Il a été dénoncé par un groupuscule anarchisant que personne ne connaissait, comme un antisioniste et un antisémite, et le PC lui a retiré son investiture. Alors, vous allez me dire plutôt, hein, c'est des règlements de chapelle, hein, des règlements de compte entre chapelles, des querelles de clochers de groupuscules d'extrême gauche, hein, c'est une guerre de clans et ça n'a aucun intérêt. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, hein. C'est la concrétisation du ralliement d'une fraction conséquente, voire de la totalité, hein, de la scène gauchiste à la défense de l'oncle Sam, de l'impérialisme occidental et de l'impérialisme occidental. Alors, énoncé comme je viens de le faire, hein, ça vous semble aussi invraisemblable qu'irréel, hein, et pourtant ce que je vous dis est rigoureusement, véridique. Alors, pour replacer ça dans un déroulement historique, hein, il faut remonter au début des années 90, hein, et il faut aller en Allemagne, hein, dans la mouvance maoïste. Dans la mouvance maoïste, à ce moment-là, vous avez deux groupes Mao qui vont s'en détacher, hein, se détacher de la mouvance maoïste, et qui vont donner naissance à un courant qui est tout à fait intéressant, hein, qui s'appelle les anti-Dutch. Alors, ils se revendiquent de la thèse de Karl Liebknecht, hein, qui dit que l'ennemi principal réside dans son propre pays. Et le premier groupe maoïste, qui s'appelle l'Arbeiterbund, hein, se revendiquant de cette thèse, va affirmer en conséquence que les Allemands doivent lutter prioritairement contre l'impérialisme allemand et non pas contre l'impérialisme yankee. Pourquoi ? Parce que l'impérialisme yankee affaiblit l'impérialisme allemand. Donc, ce mouvement qui est de gauche, qui est maoïste, qui se revendique du communisme, hein, va continuellement s'opposer aux manifestations contre la guerre contre l'Irak, aux manifestations contre l'intervention de Tsahal à Gaza, hein, et il va s'y opposer en disant, en disant aux autres militants d'extrême gauche, hein, vous vous trompez de cible, parce que si vous soutenez les mouvements anti-impérialistes dans ces pays-là, hein, eh bien, vous le faites par antisémitisme et vous renforcez votre propre impérialisme national, l'impérialisme allemand. Une deuxième organisation qui s'appelle le Kommunistischer Bund, hein, donc la Ligue communiste, hein, qui c'est un groupe allemand qui a commencé à s'opposer, a commencé à sortir un peu du bois, hein, en s'opposant à la réunification allemande. Hein. Et puis ils vont aller encore plus loin, ils vont être inspirés par Theodor Adorno et Marx, Horkheimer, hein, ainsi que de manière assez curieuse par la société ouverte du libéral Karl Popper, hein, et ils vont théoriser cette idée que la société libérale bourgeoise est une phase indispensable avant le passage à la société communiste. Et donc ça c'est leur première théorisation, il faut absolument que les pays passent par la phase libérale bourgeoise qui nous permettra d'aller au communisme. Et deuxièmement, ils vont dire qu'un certain nombre de pays dans le monde, hein, sont des pays prémodernes, hein, sont des pays prémodernes car ils ne sont pas totalement libéraux dans leurs lois, leurs mœurs ou leurs modes de fonctionnement,
Hein, et que donc, pour que ces pays-là aient une chance d'accéder au communisme un jour, hein, eh bien, il faut préalablement les avoir fait passer par la case du libéralisme. Hein. Et donc, ils vont dénoncer principalement comme pays prémoderne, pardon, les pays arabes. Les pays arabes. Alors, par contre, ils vont dire, dans le monde, il y a trois nations qui sont les plus civilisées, hein, qui sont les plus civilisées, donc parce qu'elles sont les plus libérales, et c'est ces trois nations-là qui ont le plus de chances, dans un avenir X, hein, de devenir des nations communistes, c'est-à-dire les États-Unis, Israël et la France. Donc il faut soutenir ces nations qui sont les plus civilisées contre les nations qui sont des nations prémodernes, et faire tout ce qu'on peut pour que ces nations prémodernes arrivent au stade libéral, hein, de façon à ce qu'elles puissent avoir la chance, dans un avenir très hypothétique, hein, de devenir des pays communistes. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme résultat, hein? Alors, ils classent, ces anti-Deutsch classent aussi l'Allemagne, hein, classent aussi l'Allemagne parmi les sociétés prémodernes. Hein, ils classent aussi l'Allemagne contre les sociétés prémodernes parce que le peuple allemand est un peuple irrationnel alors que, et non pas un peuple des Lumières, donc ça le classe dans la catégorie prémoderne. Donc, et concrètement, ça va donner quoi? Ça va donner tout d'abord que les militants de ce courant anti-Dutch, les deux groupes dont je vous ai parlé, hein, vont soutenir tout ce qui est culturellement anti-allemand. Hein. Et alors je ne sais pas si vous en souvenez, parce que la presse en avait un petit peu parlé, quand il y avait eu c'était le mondial de foot, je crois, en Allemagne, il y a 2-3 ans, hein, ils arrachaient systématiquement tous les drapeaux allemands qui pouvaient. Il y avait réellement un problème à Berlin, parce que les gens, il y avait des Turcs qui étaient un petit peu enracinés, enfin, ou qui, pour attirer des clients, mettaient des drapeaux allemands, ils se faisaient arracher. Ils ont mené des campagnes comme ça, extrêmement agressives, contre le drapeau de leur propre pays. Hein. Et puis, on va voir, alors il y a des photos extraordinaires, hein, où on va voir des groupes d'extrême-gauche manifester avec les drapeaux américains, avec les drapeaux israéliens. Hein. Et il y a à Dresde, je ne sais pas si vous le savez, mais Dresde, donc c'est une ville en Allemagne qui a été complètement vitrifiée par les bombardiers alliés. Hein. Ils vont organiser à Dresde, hein, des manifestations de remerciement à Bomber Harris pour le travail qu'il avait fait. On retrouve si ça vous intéresse, vous trouvez les photos assez facilement sur Internet. Or, vous vous dites, on est dans la Lunatic Fringe. On est dans la Lunatic Fringe, on est dans la manifestation politique aberrante. Hein, et ça ne va déboucher sur rien. Or, curieusement, ce courant, qui est quand même un courant groupusculaire et vraiment marginal, il va se trouver doté de moyens financiers très importants. De moyens financiers très importants, qui va lui permettre de mener une action de publication idéologique conséquente, mais surtout, puisque l'âge d'Internet est arrivé, de créer une multitude de sites Internet. Et puis, ce courant va aussi avoir des relais dans les médias, hein, et des relais qui n'ont aucun rapport, hein, avec sa représentativité. Donc, les anti-Dutch, à défaut d'être présents sur le terrain, eh bien, ils vont mener dans leur propre camp une guérilla incessante contre tous les militants anti-impérialistes, anti-occidentalistes ou anti-sionistes, les dénonçant systématiquement comme des fascistes ou des antisémites. Dans le même temps, avec une phraséologie très proche de celle de BHL, ils vont voir dans toutes les interventions militaires des États-Unis ou de l'OTAN d'importants progrès sur la voie de la civilisation. Alors, au début de ce siècle, hein, ce courant va s'implanter en France. Hein. Et il va s'implanter en France, d'abord dans la mouvance Antifa et libertaire, puis sur les marges du NPA. Hein. La stratégie suivie sera exactement la même qu'en Allemagne. Multiplication de sites internet se reprenant les uns les autres. Dénonciation hystérique des militants anti-impérialistes les plus connus comme des crypto-fascistes, fascistes et des antisémites patentés. Et soutien à toutes les manœuvres internationales de l'impérialisme yankee. Alors, ils ont multiplié les sites internet et tant et si bien qu'on en découvre. J'avais noté là, par exemple, Opération Poulpe, ça ne dit absolument rien à personne, Opération Poulpe, il y en a un autre qui s'appelle La Feuille de Chou, enfin, il y en a tout un lot comme ça. Hein. C'est des sites internet qui se reprennent les uns les autres, hein, et ils se présentent systématiquement comme des gens d'extrême gauche. Hein. Alors,
extrême gauche, parfois, il y a des accros. Et je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu, il y a eu, il y a à peu près un an, il y a eu l'étrange histoire Marianne Boutelot. Alors, je ne sais pas si vous avez eu vent de ça. Marianne Boutelot, c'était une anarchiste libertaire antifasciste, hein, qui collaborait à différents sites internet, Article 11, Indy Media, Rébellion, qui est un site d'extrême gauche lyonnais. Hein, et elle se livrait à de frénétiques campagnes d'accusations, hein, dénonçant les infiltrations fascistes d'extrême droite, conspirationnistes, antisémites et tout ce que vous voulez, au sein du mouvement impérialiste. Or, elle s'est attaquée aux gens de l'UPR, je dis pas de bêtises, il y a à peu près à ce moment-là. Les gens de l'UPR ont un petit peu cherché, hein, et ils ont découvert que Marie-Anne Boutelot s'appelait Ornella Guyet, hein, et que c'était un véritable Dr. Jekyll et Mr. Hyde en jupon. Hein. Sous une identité, elle était une journaliste antifa, hein, et sous sa deuxième identité, elle militait dans la Sarkozy. Hein. Donc c'était assez... elle militait dans la Sarkozy, elle fréquentait des séminaires organisés par des membres du Parti républicain américain, hein, et voilà. Et ce qui est amusant quand même, alors elle a été dénoncée par les gens de l'UPR, mais ça n'a pas eu grande importance. Et ce qui est amusant, c'est que c'est quand même la même Ornella Guyet qui revient cet été et qui est celle qui signe l'article, hein, contre René Balm dans Rue 89. Oui. Elle a été dénoncée, mais bon, elle a dit, mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais été proche de la Sarkozy et des néocons américains, c'est une infamie, hein. Et elle revient toujours en se prétendant antifa et extrême gauche, quoi, pour dénoncer un mec du front de gauche. Alors, quel est l'effet de tout ça? Quel est l'effet de tout ça? Eh bien, c'est un effet extrêmement concret, c'est-à-dire que tous les théoriciens de l'anti-impérialisme d'extrême gauche, hein, se sont trouvés progressivement marginalisés. Ils se sont trouvés progressivement marginalisés, ils se sont trouvés démonisés, c'est-à-dire que des gens comme Colomb ou d'autres, qui sont incontestablement des gens de gauche, hein, se traînent maintenant une réputation de néofascistes et d'antisémites, hein, ce qui leur facilite quand même pas la vie, hein, et que progressivement, eh bien, vous avez une atonie de l'extrême gauche contre les manœuvres de guerre de l'OTAN ou des Américains. Hein. Quand les États-Unis sont intervenus contre l'Irak en 2003 ou quand Israël est intervenu contre Gaza en 2008, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu dans les rues des manifestations monstres. Hein, il y a eu de très grosses manifestations, et ces manifestations, il faut pas rêver, ce n'était pas nous qui les avons faites, c'est l'extrême gauche qui était en grande partie derrière. Bon, eh bien, on a quand même eu l'an dernier une intervention occidentale contre la Libye. Vous avez vu une manif dans la rue, vous, hein? Bon. Et pire que ça, alors on n'a pas vu une manif d'extrême gauche dans la rue, on n'a pas vu l'extrême gauche mobilisant contre l'intervention en Libye. Mais pire que ça, alors ça vous a peut-être échappé, mais ça valait quand même le coup à cette époque-là qu'on s'en rende compte, les antifas français ont créé un bataillon international, hein, pour aller soutenir les anti-kadhafistes. Et alors on l'a su parce que une partie de leurs troupes venait de Rennes, qui est une ville pas très loin d'où j'habite là, venait de Rennes, c'était les groupes antifa de Rennes, c'était globalement ceux qui étaient venus nous agresser, enfin tenter de nous agresser quand Marine Le Pen était venue, et après tenter de nous agresser quand Soral était venu. Hein. Ils se sont dit, bon, on va aller se frotter un peu plus costaud, ils ont été se frotter aux troupes de kadhafistes, et il y en a qui s'est pris une balle dans la tête à ce moment-là. Il est resté tétraplégique. Voilà, bon. Et alors à ce moment-là, il a fallu qu'il soit exfiltré, les services secrets, enfin les services français s'en sont occupés et tout ça, quoi. Mais alors on découvre, voyez-vous, des gens d'extrême gauche, hein, partant, servir de, je sais pas moi, de mercenaires, on peut dire ça comme ça, quoi, aux troupes de l'OTAN. Hein. Et c'est quand même une évolution qui est tout à fait intéressante. Hein. Et si vous voyez la situation en Syrie actuellement, hein, vous n'avez pas. Alors que les partis communistes des pays arabes, hein, s'opposent à l'intervention en Syrie et tout ça, eh bien, si vous regardez en France, c'est au sein de l'extrême gauche que l'on trouve les activistes les plus hostiles au gouvernement de Bachar al-Assad, hein, et à ceux qui voudraient voir la paix régner dans ce beau pays. Hein.
Quant aux intellectuels radicaux ou des militants qui, comme Colomb, Dedage, René Balme ou Philippe Marx, n'ont pas renié leurs idées, eh bien, ils sont dénoncés tous les jours comme des salauds, des fachos, des ennemis du peuple. Et tout est fait pour les marginaliser. C'est ça le sens de l'affaire Balme. Alors, vous allez vous dire, c'est surprenant, mais en fait, ce n'est que la conséquence de l'involution de notre société. Et pourquoi est-ce que l'extrême gauche ne serait pas elle aussi sensible à l'involution Or, il faut quand même penser à une chose, c'est que je me demande s'il n'y a pas dans l'ADN de l'extrême gauche quelque chose qui l'a conduit à avoir ce genre de comportement. Et ce n'est pas la première fois qu'elle l'a dans l'histoire. C'est pas la première fois qu'elle est dans l'histoire, puisque si on remonte, alors c'est des choses aussi qu'on nous dit pas que tous les groupes extrémistes de trotskistes à la Besancenot ou autres se gardent bien de nous rappeler. Mais vous remontez en 1940. Vous remontez en 1940 et vous avez une fraction importante, voire majoritaire du mouvement trotskiste, qui est dirigée par des gens comme Chartmann, Burnham ou Schwartz. Qui vont se rallier à la défense du monde libre et qui vont servir d'armature intellectuelle par la suite, durant la guerre froide, à la lutte anti-soviétique. Voilà. Et c'est ces gens-là, chose qu'on vous dit peu, dont on parle assez peu, c'est ces gens-là qui vont former les néocons actuels. C'est-à-dire que le courant néoconservateur américain n'est pas un courant issu de la droite, mais est un courant qui est issu du retournement d'une partie du mouvement trotskiste américain qui va donner un habillage idéologique au capitalisme américain. Et qui va en même temps, d'ailleurs, c'est ça qui est assez dramatique, qui va en même temps mettre complètement hors jeu, hors champ, aux États-Unis, le véritable courant conservateur qu'on appelle maintenant le paléoconservatisme, mais le paléoconservatisme qui a disparu en tant que force politique. Voilà. Donc, moi, c'était ce que je voulais vous dire. Ce que je viens de vous dire à la fin, là, ça confirme que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Ça confirme aussi que les gens d'extrême gauche ont toujours été d'éternels salauds. C'était assez loin, je crois, de l'eurasisme. Mais c'est le sujet qu'on m'avait demandé de traiter. Donc, je laisse la place, la suite à Alexandre Douguin, qui va être 100 fois plus brillant que moi. Voilà. Merci beaucoup pour me donner la parole, pour m'inviter de parler ici à Bordeaux par mes amis de l'égalité et réconciliation. Je ne crois pas que le sujet traité par mon ami de longue date, Christian Boucher, est tellement loin de l'eurasisme. Je vais expliquer pourquoi. Au début, je voudrais ajouter à cet exposé aussi les événements des années 90, quand la même chose s'est produite avec certains groupes des intellectuels de gauche, Jean-Pierre Cruz de la Libération, Bernard Cohen, et la revue qui était appelée à l'époque « Idiot international » de Jean Dernalier. Là-bas, on a proposé dans ce cercle de la gauche
anti-impérialiste, on a préposé la question simple. Qui sont pour nous plus qui sont pour nous les ennemis véritables? L'impérialisme libéral contre lequel américaine, contre lequel la gauche, toute la gauche, normalement doit lutter, ou certains groupes nationaux français qui aussi détestent et contestent la légitimité de discours hégémonique. Par exemple, certains représentants atypiques de la droite. Par exemple, Hélène de Benoît et certains personnages dans les autres tendances. Et c'était seulement l'invitation au dialogue de la part des gauches, des gauchistes bien instaurés, par rapport à certains politiciens et idéologues inclassables en quelque sorte, issus de la droite, par exemple Hélène de Benoît. J'étais impliqué parce qu'on m'a considéré comme double agent de nationalisme russe, de communisme et de tous les mots possibles. Et finalement, le voyage de Jean Thiriard à Moscou, organisé par moi, et d'Alain Desbinois, des autres représentants de ce courant-là, de Claudio Muti et aussi de mon ami Christian Boucher, étaient traités comme le complot. Entre les pires, le complot des plus personnages totalement inclassables au niveau au sens négatif, et Bernard-Henri Lévy et Henri Bloussement ont lancé l'appel des 40, soi-disant le texte qui Pierre Bourdieu, Umberto Eco et aussi les autres personnalités de haute estime ont signé. Le sens de cet appel de 40, c'était interdire à tous les personnages de la gauche de quelques contacts avec les gauchistes qui ont tenté les premières qui ont fait les premiers pas de dialogue avec ces personnages-là. C'était la dénonciation totale. Après ça, Bernard Cohen, qui était d'ailleurs juif de gauche, était représenté en faisant le salut nazi, est rejeté de toutes les revues gauchistes. Jean-Pierre Cruz, un des gauchistes de 68. Gauche prolétarienne, oui. Hein? Il était de la gauche prolétarienne. Oui, oui, gauche prolétarienne, il était jeté de Libération. Et donc, tout le monde, la revue a été fermée, alliée. Et vraiment, c'était la répression de la part de gauche des gens qui ont tenté seulement le dialogue, sans arriver encore à quelques, disons, alliances, quelques projets communs. C'était la réaction radical qui aussi André Didier Denix aussi était impliqué, donc c'est l'épisode de même type qui rentre parfaitement dans ce que Christian Boucher a décrit. Donc, mais la situation si on pense sur les raisons de cette particularité de la part de la gauche qui logiquement devrait choisir l'ennemi essentiel dans l'hégémonie ultralibérale américaine et monde unipolaire, pourquoi cette aberration? Je crois que ce n'est pas par la chance, et existe une certaine logique très importante qui nous aidera, j'espère, à comprendre qu'est-ce que c'est le racisme. Si on prolonge cette idée de marxisme et de trotskisme dans le cas de certains auteurs, Emmanuel Wallerstein, américain, qui décrit le monde d'une manière suivante. Il a proposé la conception de le système du monde en basant sur les idées différentes, par exemple de Fernand Braudel et des autres auteurs de conception
développement dépendant de Furtado et les autres sources. Aussi, en basant sur Marx, aussi bien. L'idée de Wallerstein sont suivantes. Qu'il n'existe pas les nations, que tous les processus mondiaux sont internationaux parce que sont deux classes. Il y a seulement deux classes et non pas la classe nationale. Il y a la classe bourgeoise internationale et la classe prolétaire aussi internationale. Et l'histoire économique est orientée seulement dans ce sens de concentration de la classe bourgeoise dans le nord riche autour du pôle de la civilisation américano-européenne, c'est en quelque sorte le pôle riche, comme l'expression spatiale géographique de la classe bourgeoise. Et aussi, il y a la périphérie globale, où se concentrent les pauvres, les dépossédés de ce monde, donc la classe prolétaire. Et le processus historique fait cette concentration inévitable. Donc, nous allons directement à la situation du système du monde. Quand il n'y aura plus les nations, les États, et l'économie sera le seul fondement social au niveau global et mondial. Donc, pour que l'histoire économique se produise dans ce sens, il faut internationalisation absolue de la bourgeoisie, donc de la création de la bourgeoisie internationale de tous les pays, de régime de tous les pays, dans certaines places que Wallerstein appelle le centre ou le noyau. Mais aussi, il faut émigration des ressources de travail aussi internationales au niveau mondial dans l'autre zone qu'il appelle périphérie. Et finalement, dans ce sens, la globalisation et le globalisme est en quelque sorte inévitable. Inévitable parce que il s'agit de la logique économique de l'histoire. Donc, selon Wallerstein, qui est un des penseurs de la gauche alter-globaliste, de la gauche anti-globaliste aussi, et un des idéologues de beaucoup des organisations et conférences orientées contre la globalisation, selon lui, la globalisation capitaliste, libéral, avec l'hégémonie du riche nord représentée par les États-Unis et l'Europe occidentale, est absolument inévitable. Et seulement après cette globalisation et internationalisation tout accomplie dans le pôle bourgeois, dans le nord riche, devra suivre l'internationalisation de classe prolétaire. Donc, la liberté de l'immigration et un mélange et confusion totale de ces classes, avec la perte totale de toutes les identités nationales, ethniques, religieuses, etc., etc. Donc, de l'histoire avec l'identité multiple et plus ou moins enracinée, on passe vers, disons, l'économie, le système du monde, au système monde, où il n'y aura plus bourgeoisie nationale, mais aussi prolétariat national. Tout sera internationalisé, et seulement après, et non pas avant, il y aura, après accomplissement total
de ce projet-là, de la création et fixation finale du système monde, il y aura révolution prolétaire quand les prolétaires, absolument, nécessairement, qui doit perdre avant ça toute l'identité nationale, ethnique, religieuse, après cette perte, quand vraiment nous aurons l'autre homme, prolétaire, travailleur sans race, sans patrie, émigré, donc nomade, en recherche de travail par le monde. Donc, seulement après ça, avec une nouvelle classe prolétaire, que sera de périphérie, qui possédera de périphérie vers le centre, à la recherche de meilleurs travail, après ça, il y aura la révolution prolétaire. Quand les émigrés prendront le pouvoir des capitalistes de nord riches. Mais pour l'instant, il y a la dernière phase de cette globalisation, selon Wallerstein. Et problème avec communisme soviétique, Lénine et surtout Staline, ici il répète Trotsky, problème c'est que si on veut faire la révolution socialiste et prolétaire avant cette globalisation, on finira par la création de systèmes national bolchevique et même national socialiste, comme c'était le cas dans la Russie soviétique. Donc, on ne doit pas faire la révolution prolétaire avant cette phase de la globalisation. Donc, la victoire de l'hégémonie américaine occidentale libérale est absolument nécessaire comme la condition pour faire après la révolution. C'est donc, nous sommes dans une théorie gauchiste, théorie marxiste, théorie prolétarienne, qui n'est pas, disons, futile. C'est quelque chose qui est, disons, élaboré. Ce sont les idées. Et quand Christian Boucher a évoqué les néocons, c'est précisément la même chose. La logique, pourquoi les trotskistes de Podgorelets, de la revue Commentaries et les autres, et Crystal, Junior, Senior, toute l'équipe des néocons, comment ils expliquaient cette évolution à partir du groupuscule trotskiste vers l'entrisme, par l'entrisme dans le parti démocrate, libéral et capitaliste, vers les républicains, ultra-capitalistes, ultra-impérialistes. Et c'était eux, les trotskistes et les fils des trotskistes, qui ont accentué encore cette hégémonie libérale américaine en proposant l'empire. Et ici, on approche au concept de notre ami Alain Soral. L'empire, c'est la création de l'empire américain, le concept de l'empire au sens américain et au sens soralien, c'est précisément, en quelque manière, l'imagination de la gauche, de l'extrême gauche, qui veut plus vite instaurer l'hégémonie américaine libérale ultra-capitaliste partout en détruisant toutes les identités enracinées, nationales, ethniques, religieuses, et pour après, avec, disons, l'homme nouveau, post-immigré, immigré, qui sera totalement libre de tous les liens avec la religion, l'ethnie, la patrie et toutes les traces de l'identité collective, avec le prolétaire idéal qui n'existe pas, le prolétaire qu'on le concepte de l'individu privé de toutes les qualités, comme c'était imaginé par Marx aussi, qui n'a rien à perdre. Donc parce qu'il n'est personne, il est socialement abstrait. Donc ce prolétaire-là doit prendre le pouvoir. Non pas le prolétaire actuel, parce que
c'est le prolétaire français, prolétaire russe, prolétaire hindou, prolétaire africain. Il possède certaines identités. Seulement le prolétaire prolétarien, qui n'existe pas mais qui doit exister, dans le processus de l'immigration libre, grâce à l'idéologie des droits de l'homme, parce que ça donnera la possibilité de cette confusion totale et destruction totale des individus et des identités collectives. Donc, après ça, on aura le système monde qui donnera la possibilité de faire la révolution mondiale prolétarienne. Bon, quelque chose dans ce genre était exposé dans les livres de Negri et Hart sur la multitude et l'empire. Plus ou moins la même idée, très justement critiquée par Alain de Benoist dans Crisis, si je me souviens bien. Donc, voilà l'explication du projet et de certaines collaborations, non pas disons contingente, mais profondément enracinée dans la théorie marxiste de l'extrême gauche avec le libéralisme. Et tout ça, nous voyons dans l'affaire de Pussy Riot, chez nous, c'était l'extrême gauche soutenue par l'Américaine, par les libéraux, totalement, et dans beaucoup des autres cas. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans cette situation le racisme? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est aussi la quatrième théorie politique? Pour comprendre ça, à partir de cet exemple de la vision de Wallerstein, on peut évoquer troisième concept de Wallerstein qui s'appelle semi-périphérie. Parce que, selon Wallerstein, il existe aujourd'hui le noyau, le nord riche, représenté par la société atlantiste, proprement dit, américano-européenne, oligarchique, libérale, capitaliste. C'est le centre théorique, le centre économique, le centre politique, le centre géographique du système monde. Il y a les périphéries qui, proprement, représentent des zones rural, global, où on puise la majorité des ressources des travailleurs parce qu'ils ne peuvent plus exister dans l'ambiance naturelle. Ils commencent à bouger dans la recherche de travail, et après il y a même l'échelle de l'immigration, parce que en Occident ou en Russie, c'est le point terminal de l'immigration. Mais l'immigration passe de village vers le cité, vers le petit cité, vers le grand cité, du troisième monde aussi, des mondes périphériques, parce que tout le monde bouge maintenant. Et c'est la périphérie, c'est disons l'espace politiquement concret où habitent les plus pauvres du monde. Mais aussi il y a semi-périphérie de concept de Wallerstein qui ne sont pas membres du club des riches du Nord et qui sont plus développés, plus organisés, plus sophistiqués que les représentants de la périphérie pure, semi-périphérie. Ce sont la Russie, la Chine, Brésil, certains pays arabes, certains pays, d'autres pays de l'Amérique latine, peut-être en quelque sorte Inde, dans certains secteurs. Donc les pays de briques, des pays de briques, qui sont plus ou moins caractéristiques pour comprendre qu'est-ce que c'est la périphérie. Bon, semi-périphérie, pardon. Semi-périphérie, qui n'est pas ni premier monde, ni troisième monde. C'est second monde. Parag Khanna, l'expert américain, a écrit le livre là-dessus. Deuxième monde, second monde, second world. Parag Khanna, qui aussi développe ce concept de Wallerstein.
qui est intéressant. Si on considère qu'est-ce que c'est ce deuxième monde, qu'est-ce que c'est semi-périphérie. Ici, nous approchons à l'eurasisme. On voit, on peut demander à Wallerstein qu'est-ce que lui pense de cette semi-périphérie. Selon lui, c'est, disons, les grands blocs au pays en transition destinés de s'éclater, d'être détruits de l'intérieur ou de l'extérieur pour que la bourgeoisie de ces pays de ce deuxième monde s'intègre dans le nord le riche et que prolétariens de ces grands espaces politico- et socio-économiques s'intègrent à l'immigration provenant du troisième monde. Donc, pour ça, il faut ouvrir les frontières, organiser l'intervention humanitaire, insister sur les droits de l'homme, organiser NGO, etc., etc., pour ouvrir cet espace et laisser laisser possibilité à l'élite économique, aux oligarques deuxième monde s'intégrer dans le riche, nord riche, et en même temps, les fleuves des émigrés doivent entrer librement d'en bas à partir du troisième monde. Donc, semi-périphérie de Wallerstein doit disparaître. Et c'est nécessaire pour que le système monde commence d'effectivement exister. Donc, dans ce cas, semi-périphérie, c'est l'obstacle plus grave pour la création de système monte, et donc c'est en quelque sorte le délai pour la révolution prolétaire. Semi-périphérie, deuxième monte, donc représente le phénomène nouveau, parce que ce ne sont pas les nations et ce ne sont pas les États-nations qui font ce deuxième monde, mais ce sont en quelque sorte grandes civilisations qui apparaissent précisément après la chute du communisme, et, que Huntington a appelé les civilisations, dans son article fameux, La Clash of Civilizations. Ce sont les civilisation islamique, civilisation russo-orthodoxe ou eurasienne, civilisation latino-américaine, civilisation chinoise, civilisation hindoue, qui se sont apparus juste après la fin des blocs. Et donc, nous sommes dans la situation tout à fait pareille à la situation qui était dans les années 30 dans l'Europe, quand il y avait les marxistes, les capitalistes et les gens qui préféraient, ou disons les régimes qui préféraient trouver non se débloquer ni au sens de capitaliste, libéral capitalisme, ni au sens de communisme. Troisième voie. Mais tout ça était en Europe, c'est le trait caractéristique, et d'autre côté, c'était dans le cadre des États-nations, dans le système de westphalien qui était vivant et présent. Maintenant, on a affaire avec le phénomène tout à fait pareil, mais au niveau global, international, non pas européen, mais mondial, et avec non pas au lieu d'État-nation, nous avons les civilisations qui sont les pôles de ce deuxième monde. Mais la même chose, les marxistes disaient qu'il faut choisir le camp des prolétaires, les libéraux capitalistes disaient qu'il faut choisir le pôle de la démocratie libérale,
les pays anglo-saxons, les États-Unis et Angleterre, et certains ont refusé de faire ce choix. C'est vraiment très important. Donc, on a encore une fois dans la même situation. Wallerstein et les marxistes, la gauche, les libéraux nous proposent de n'exister plus, nous les Russes, représentants de la civilisation eurasienne qui cherche à s'affirmer maintenant. Ils proposent à nos oligarques, par exemple comme Prokhorov, Abramovitch, Berezovsky, de s'intégrer dans la société occidentale, et aussi il nous pousse pour ouvrir nos portes à la migration, disons, provenant de l'Asie centrale et des autres pays pour s'en finir avec avec les masses proprement russes, parce que dans quelques temps ils ne seront pas les masses russes, ils seront les masses proprement dit. Donc, plus correspondant aux conceptions de Wallerstein. Et ici, on doit chercher le sens de l'eurasisme actuel. L'eurasisme, c'est la proposition de prendre comme l'exemple, non pas le Nord-Riche, non pas les pays de la périphérie, et aussi rejeter la logique du progrès propre aux libéraux qui est aux communistes, parce que aux communistes de type trotskiste, parce qu'ils sont dans la même vision de l'histoire se déroule progressivement vers système monde. Les libéraux pensent qu'ils pourront conserver le pouvoir, les communistes, la gauche, pensent font l'allure de penser qu'ils prendront le pouvoir après, mais leur sincérité, nous n'y discutons pas maintenant, mais le projet est le même. Donc, pour en finir avec semi-périphérie, pour créer le système monde comme la seule solution, comme la seule orientation historique possible de politique vers économique, mais économique de classe, économique basée sur l'hégémonie, sur la domination, sur le pouvoir immense concentré entre les mains des riches orientés contre les pauvres. Donc, si on accepte, on nous impose cette logique de gauche, de droite, de la part des libéraux, de la part de la gauche, des contestataires, tout le monde est d'accord avec cette logique de la globalisation, de cette logique de l'histoire. Et les civilisations de deuxième monde sont l'obstacle. Le racisme, c'est la proposition concrète de refuser cette logique de l'histoire et proposer comme l'exemple, non pas les États-nations, l'État national, qui de toute façon il s'intègre dans l'ensemble plus vaste aujourd'hui, et c'est la logique, et c'est cette fois, elle n'est pas subjective, la logique, parce que les États-nations actuellement ne peuvent pas garantir sa souveraineté. Pour garantir souveraineté, il faut s'intégrer. Sans ça, on va perdre tout. Et ça, on reconnaît, mais en même temps, on ne reconnaît pas ce que la phase nécessaire suivante sera la création du système monde. On peut dire stop ici, nous sommes arrivés à certains points, ici nous allons à faire choix, parce que nous sommes libres. L'histoire dépend non des prédestinations de sens calvinien, mais de la décision libre de l'humanité, des hommes, des sociétés, parce que
on est libre. L'homme est libre. Tout le monde le reconnaît. On est libre, donc on peut choisir aller vers systèmement, mais on peut choisir n'aller pas dans ce sens. Et l'idée où et qui doit prendre décision dans cette situation? Seulement, à vrai dire, seulement les civilisations de second monde, parce que d'eux dépend tout. Et le racisme, c'est l'idéologie de deuxième monde qui refuse de s'intégrer dans le système monde et qui propose comme l'exemplaire l'ordre mondial basé sur la multipolarité. Multipolarité concrète, non abstraite, mais concrète. L'Eurasie, c'est un des pôles. Une civilisation russo-touranienne, slavo-orthodoxe musulman, qui est la civilisation russe traditionnelle, est seulement un des pôles parmi les autres. Mais la quantité des pôles ne doit être pas égaux à la quantité des États-nations, parce que la majorité des États-nations actuellement existantes dans le monde ne peuvent pas garantir sa souveraineté devant la menace concrète de l'hégémonie de l'impérialisme américain. Donc, pour garantir la souveraineté, il faut s'intégrer. Et les civilisations de second monde doivent s'intégrer, s'affirmer comme l'épaule du monde multipolaire qui ne veut plus aller vers le sens du système monde. Pour cela, il faut proposer certaines idées qui pourraient unir élite et les masses dans le contexte de la civilisation. Et c'est précisément le racisme. L'Eurasie vaut plus que les autres choses parce que c'est l'identité civilisationnelle qui unit élite consciente de ses racines et des masses conscientes de ses racines. Donc cette idée qu'on appartient à la même civilisation peut aider à éviter l'injustice sociale et l'opposition des classes. La même chose a été évoquée par Huntington quand il parlait sur la modernisation sans occidentalisation. Modernization without westernization. Et il y a beaucoup d'exemples des pays arabes quand l'élite arabe et les masses arabes se comprennent mutuellement sur le niveau des valeurs communes, les valeurs dans ce cas religieuses, historiques. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi les séparations, mais c'est tout à fait viable par rapport au monde arabe. Quelque chose dans ce genre, mais avec les autres instruments, se produit aujourd'hui réellement en Chine, où grâce au Parti communiste, on fait l'équilibre entre ouverture du pays et certains, on peut dire, nationalisme chinois. Parce que sans ça, la Chine s'éclaterait tout de suite comme l'Union soviétique. Il y a beaucoup de problèmes intérieurs, sociaux, économiques en Chine. Sans ce rôle de Parti communiste, qui garantit maintenant l'unité de la Chine, l'unité basée sur l'idée de la civilisation chinoise, non pas sur la religion, non pas sur sur le communisme, parce qu'il y a maintenant secteur assez grand qui est intégré dans l'économie libérale et mondiale, mais sur l'identité civilisationnelle. Donc, le Parti communiste est agent de civilisation, est assez efficace, on peut dire. Dans le monde islamique, il y a certaines situations, par exemple l'Iran,
qui montre que aussi cette identité de la civilisation peut unir et mobiliser toute la société. On voit certaines tendances très intéressantes dans l'Amérique latine où actuellement les gens comme Hugo Chavez ou Evo Morales, mais aussi dans les manières moindres les autres représentants de la gauche latino-américaine cherchent à créer quelques identités civilisationnelles de l'Amérique du Sud, opposées consciemment à l'hégémonie américaine dans tous les sens, pour affirmer l'Amérique latine comme la civilisation et comme le pôle. C'est pourquoi ces contacts inexplicable avec le monde arabe, avec la Russie, l'intensification des relations, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est le racisme? C'est affirmer cette vision et insister sur l'identité civilisationnelle de la Russie. Mais ça demande aussi que les Russes insistent sur le fait que nous sommes représentant non pas le pays européen sous-développé, mais nous sommes les représentants de la civilisation particulière, avec les valeurs particulières, qui sont jugées autoritaires, nationalistes, impérialistes, colonialistes, seulement par la bourgeoisie libérale apatride, disons, de nos riches, et par ses alliés de la gauche. Donc, on n'est pas comme ça parce que nous avons les autres valeurs. Par exemple, pour ne citer qu'un exemple, l'autoritarisme russe. Oui, bien sûr, nous sommes le pays autoritaire. Non pas totalitaire, autoritaire, mais c'est l'autoritarisme demandé par les masses. Les Russes aiment la liberté tant, nous sommes tant chaotiques que nous sentons besoin de certaines mains fortes. Nous demandons le tsar. Pour nous, le tsar est nécessaire pour nous guider parce qu'on aime trop la liberté. Sans ça, les Russes comprennent que nous ne pouvons pas organiser la société démocratique. C'était le commencement de notre histoire. Les premières phrases de notre histoire écrite, c'était comme ça. Les tribus, les peuples slaves ont chassé les Allemands, les Scandinaves, qui avant gouvernaient. Et après ça, ils ont commencé de lutter contre soi-même. Et le pays tant riche, étant belle, a commencé de s'éclater. Et après avoir pensé, les Slaves ont décidé d'inviter encore une fois les Scandinaves pour nous gouverner. Et c'était le début de la dynastie des tsars russes qui a duré 1000 ans. Donc, on a inviter quelqu'un, pas toujours on était content, mais finalement c'était la seule manière de conserver notre histoire et faire de cette histoire l'histoire russe. Donc c'est notre demande des masses, des peuples. Nous choisissons l'autoritarisme. Ce n'est pas crédible peut-être pour les Européennes, mais il faut quand même reconnaître que peut exister l'autre, comme vous, qu'il y a les peuples, il y a les sociétés qui préfèrent la main forte aux mains faibles. Il y a beaucoup des épisodes aussi dans l'histoire européenne, je crois. Mais finalement, le son de ça, peut-être vous étiez toujours démocrates libéraux. Peut-être. Je ne conteste pas, c'est à vous à décider. Si vous avez cette image, bon, bien. Mais il y a l'autre fameux, l'autre sur lequel toutes les postmodernistes, tous les humanitariens, Lévi-Strauss et les autres auteurs français insistaient toujours. Bon, nous sommes l'autre. Et quoi? Quand nous sommes l'autre et quand nous ne voulons pas laisser
à abîmer nos églises. Tout le monde proteste pour soutenir Pussy Riot. Nous, les autres, nous, les Russes, nous n'aimons pas quand on désacralise nos églises. Nous, peut-être nous sommes barbares, peut-être nous sommes sauvages. Bien, nous sommes autres. Nous sommes l'autre qui n'aime pas ça. C'est tout. Et pourquoi faire cette pression contre nous, contre nos sentiments, contre nos réactions que nous jugeons légitimes? Donc, c'est le racisme. Nous prétendons que nous sommes la civilisation avec les valeurs particulières et nous insistons sur cette valeur. Nous voulons les conserver, les défendre et nous ne voulons pas les imposer aux autres parce que nous reconnaissons le droit des autres à avoir les autres valeurs. Bien, c'est multipolarité. La Chine aux Chinois, l'Europe aux Européennes, l'Eurasie aux Eurasistes, etc. Les pays islamiques pour les musulmans. Parfait, à notre avis. À notre avis, c'est bien logique, c'est multipolarisme. Et l'idée de contester le sens de l'histoire, dans le sens libéral et trotskiste, c'est la seule chose que nous demandons, parce que nous voulons conserver ce système-là. Nous voulons accentuer ce que les civilisations possèdent, ses propres formes de la temporalité. Peut-être pour la civilisation occidentale, le temps va vers vers le nord riche, vers la fin de l'histoire, au post-histoire, peut-être. Mais il y a les civilisations qui opèrent avec le temps circulaire. Par exemple, la civilisation chinoise ne connaît pas le temps linéaire. Il opère avec le temps de l'éternel retour. Nous, les Russes, nous avons l'autre temps, le temps eschatologique, orthodoxe, c'est l'autre version de la temporalité qui ne correspond pas, au concept libéral de temps et de l'histoire. Et les civilisations doivent être laissées, comme ils sont ou comme ils veulent devenir. Donc, c'est l'idée de laisser aux représentants de la civilisation de choisir leur destin sans influence extérieure. C'est le racisme. C'est pourquoi, à mon avis, mais pour faire ça concrètement, il faut réaliser l'intégration de l'espace post-sémitique pour créer les conditions de l'existence du pôle. Et c'était projet de l'Union Eurasienne, il faut avoir les rapports différents avec toutes les forces dans le monde qui rejettent l'hégémonie américaine, d'où proviennent les relations de Poutine avec Téhéran, notre support à la Syrie et nos relations avec la Chine, donc dans la plus petite échelle avec Inde et les autres pays. Et notre politique mondiale. Donc, on est amis de ceux qui sont en faveur de monde multipolaire et qui représentent le droit de l'autre à l'existence, qui vraiment peut accepter la possibilité de l'existence et coexistence des systèmes de valeurs différents. Donc, c'est pourquoi le racisme peu à peu devient l'idéologie dominante, peu à peu, non pas trop rapide, de la Russie. Parce que le racisme explique la situation mondiale, fait la carte historique, géopolitique du monde et aide à choisir la voie de prendre les décisions à nos dirigeants. C'est ça le racisme. On peut parler des sources historiques parce que les premiers représentants de ce mouvement-là étaient dans les années 20,
parmi les émigrés russes, blancs. Après, il y avait la période où Lev Gumilev, l'historien russe, a développé cette idée. Et après des années 80, on nous appelle néo-eurasistes ou l'eurasiste nouveau, ont continué de développer la même attitude en insistant sur que la Russie est civilisation, sur qu'il y a pluralité des systèmes de valeurs et que nous ne voulons pas le monde hégémonique unipolaire, mais le monde pluraliste basé sur le principe de civilisation multipolaire. Concrètement, mais d'autre côté, le passage très important sur, vers la quatrième théorie politique. Quand nous avons commencé de considérer une situation idéologique des années 90 dans le monde après la chute du communisme, nous avons aperçu qu'il n'y a que le libéralisme qui reste comme idéologie politique. Et il s'est apparu le premier et il doit disparaître le dernier parce qu'il existe aujourd'hui. C'était la première théorie politique. Il y avait seconde, deuxième théorie politique représentée par le marxisme. Le marxisme était critique qui avait quelques points communs avec le libéralisme que nous avons déjà dit. Et aussi, il y avait troisième théorie politique comme fascisme. Vers la fin du XXe siècle, seconde et troisième théorie politique étaient totalement détruites. Vaincues. Et vers la fin des années 90, nous pensions, peut-être naïvement, qu'il faut unir tout ce qui était antilibéral, la gauche et la droite qui n'acceptaient pas le libéralisme, qui était contre la, disons, première théorie politique, dans certaines synthèses qu'on appelait à l'époque national-bolchevisme. Après certains événements politiques de la Russie, création de Front National Bolchevique, après les sessions, après les dérives de genre divers, et aussi après peu de succès de faire la même chose en Occident, en Europe, par exemple, il existait les tendances pareilles. Dans la même époque. Finalement, moi, Alain Desbinois et nos amis, nous sommes arrivés à la conclusion que cette tactique-là aussi n'est pas opérative. Parce que si on fascisme est vaincu, communisme est vaincu, toutes les formes d'antilibéralisme historiquement présentes sont vaincues. Et même si on ajoute une forme vaincue à l'autre, on aura seulement troisième forme, disons, nostalgique, qui va hériter les mêmes défauts des idéologies politiques qui ont échoué. Donc, après ça, la seule pas nous reste, faire non pas le pas en derrière, mais le pas en avant. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le libéralisme qui est sans les ennemis. Et dans cette situation, la première théorie politique se transforme. Il y a la mutation, la transformation de nature du libéralisme actuel qui est maintenant sans les ennemis. C'est vraiment peut-être parce que le libéralisme possède seulement la stratégie négative, c'est la liberté 2, c'est la liberté qui est opératoire seulement quand elle est orientée contre le totalitarisme, de gauche ou de droite, c'est, peu importe. Mais quand le libéralisme vainque,
la manque de stratégie positive et son négativité. Parce que le libéralisme défend la liberté seulement négative, comme John Stuart Mill a montré très bien. C'est que le libéralisme ne dit absolument rien sur le contenu de la liberté. La liberté, pour les libéraux, c'est la liberté négative. Point. Donc, maintenant, le libéralisme est seul. Et il ne faut pas, selon nous, de créer l'ennemi artificiel. Artificiel pour prolonger la vie. C'est le libéralisme qui est en recherche des nouveaux ennemis pour se continuer. Le monde islamique, par exemple, pour les néocons américains, ou Poutine, ou Carré du Nord, ou Bachar Assad, ou Kadhafi, ou Chavez. Donc, l'idée est qu'il ne faut pas regarder derrière nous, mais il faut faire le pas en avant et opposer au libéralisme quelque chose absolument nouveau, ce que nous ne connaissons pas encore. Donc, on est anti-libéral, on conteste le narratif, grand narratif libéral, et aussi on conteste la gauche pro-libérale qui est devenue alliée du libéralisme. Et on doit proposer quelque chose de totalement nouveau. C'est non pas seconde théorie politique, non pas troisième théorie politique, non pas le mélange, synthèse entre seconde et troisième théorie politique, mais quelque chose complètement de nouveau qui va regarder vers le futur. C'est assez facile de dire et c'est difficile de faire, mais finalement il y a quelques peut-être orientations. Comment on fait ça? On peut se rendre compte qu'il s'agit dans tous les trois théories politiques et des mélanges de ces théories de la modernité. Tous les trois théories politiques sont les expressions politique de la modernité. Et le libéralisme a gagné la lutte pour le sens de la modernité. Aujourd'hui, c'est absolument certain que le libéralisme et la modernité, c'est une et même chose. Il n'existe pas l'autre modernité, malgré les prétentions des communistes ou des fascistes. Donc, il y a seule modernité libérale, parce que le libéralisme concentre le sens de la modernité, il a gagné cette lutte. Donc, on a gagné, il faut faire point et passer vers post-modernité. Donc, il faut dépasser non seulement la modernité libérale, mais modernité en tant que telle, en reconnaissant que la modernité vraiment est manifestée dans le libéralisme. Il faut s'en finir avec la modernité. Et quoi on peut opposer à la modernité? Ici aussi, certains points peut-être inattendus pour certains. Bien, on peut opposer la pré-modernité. Parce que le passé que les conservateurs défendent, ce n'est pas les valeurs que les conservateurs défendent, n'est pas les valeurs du passé. Ce sont les valeurs de l'éternité, comme a dit Arthur Müller Vandenbroek. Si nous sommes les croyants religieux, nous ne croyons pas en Dieu qui était, mais nous croyons en Dieu qui est. Qui est toujours, qui était au début de l'histoire, mais qui est aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, et qui sera demain. Donc, il faut s'adresser au sens de l'éternité, parce que la modernité, c'est la réfutation de l'éternité. La modernité, c'était construit sur le temps. Donc, il faut rejeter le temps qui s'est séparé de l'éternité et réintroduire l'autre temps, le temps lié à l'éternité, donc le temps sacré.
Donc, notre appel à la pré-modernité, ce n'est pas l'appel au passé, c'est l'appel à l'éternel. Mais pour ça, il faut totalement changer notre attitude par rapport à nous-mêmes, à l'autre, à la société, à l'histoire, à monde. Il faut autre vision du monde, ce que nous proposons faire dans l'esprit plus ou moins des traditionalistes. Mais en même temps, nous pouvons faire l'appel à la postmodernité. C'est encore plus difficile parce que la postmodernité critique le récit de la modernité. Les postmodernistes eux-mêmes sont en quelque sorte comme les gauchistes qui, en critiquant le capitaliste, veulent continuer et mener jusqu'à la dernière conclusion le même discours. Mais ce sont les postmodernistes, ce sont eux, les postmodernistes numéro un. Mais nous pouvons proposer l'autre postmodernité, l'autre postmodernisme qui s'inscrit à la critique de la modernité et propose l'autre vision en échange. Donc, par exemple, faire court-circuit en unissant la pré-modernité et la post-modernité, liquidant ou déconstruisant la modernité et le narratif moderne avec les procédés post-modernes, mais en revanche, en introduisant les valeurs et disons certains concepts pré-modernes. Et les libéraux comprennent le danger de notre part parce que maintenant ils affirment, et j'ai parlé personnellement avec Fukuyama, il m'a dit que nous étions trop en avant en déclarant la fin de l'histoire. Nous devons encore insister sur la modernité, sur les états modernes, pour détruire toute la possibilité de retour vers la prémodernité. La même chose font les philosophes qui insistent sur le soi-disant réalisme critique. Ils disent, les postmodernistes ont ouvert certaines possibilités de, disons, de liquidation de certaines vérités modernes. C'est très dangereux et il faut éviter ça. Donc, parce que en rejetant les vérités de la modernité et dans l'absence totale de quelque chose de positif de la part des libéraux, il y a le vide. Le vide, ce n'est pas pour eux le danger, mais si apprêtons nous qui allons remplir ce vide. Donc ça devrait être un peu plus problématique pour eux. Donc je crois qu'il faut absolument rejeter la postmodernité, mais essayer chevaucher la tigre dans ce cas. Donc entrer dans la postmodernité, accepter et assimiler, disons, les méthodes, les instruments de la critique postmoderne de la modernité, mais totalement au sens opposé que les postmodernistes eux-mêmes le font. Ce n'est pas facile, mais c'est à mon avis fascinant pour les certains esprits non conformistes et ouverts. Et pour finir cette présentation de le racisme, quatrième théorie politique, je puis indiquer seulement le chemin aussi à propos, en disant quelques mots à propos qui est le sujet ou l'acteur essentiel de quatrième théorie politique, parce que dans la première théorie politique, c'était l'individu qui est la mesure des choses. Dans la seconde théorie politique, l'acteur ou sujet, c'était la classe, les deux classes. Et dans la troisième théorie politique, c'était l'État, l'État-nation et ou la race, troisième acteur. Si on veut sérieusement de dépasser
Tout ça, on doit construire la théorie politique, non pas sur l'individu, il n'y a plus de, on déconstruit l'individu, il n'y a plus, on rejette l'individu, donc c'est déjà quelque chose. On aussi refuse la classe comme l'acteur essentiel pour ne pas être pris dans la piège de discours libéraux ou marxistes aussi. Et on aussi refuse la nation, l'État et la race comme les concepts obsolètes. Et quoi donc nous devons trouver quelque chose en échange. Et ce n'était pas facile. Et dans une des conversations avec Alain de Benoît à Moscou, pendant le quatrième colloque sur quatrième théorie politique dans l'université d'État de Moscou de Lomonossov, où je dirige la chaire de sociologie des relations internationales, on est arrivé spontanément, en quelque sorte, à la réponse. Ça devra être « Dasein », être là, comme la catégorie centrale de la quatrième théorie politique. Personne, à notre connaissance, n'a fait ça, mais c'est en quelque sorte, le défi pour ceux qui veulent dépasser status quo intellectuel, politique, idéologique, etc. etc. Et pour en finir, je dis seulement que ce n'est pas aucunement la dogme, quatrième théorie politique, et qu'on notre ami de l'égalité et réconciliation a dit déjà, c'est l'invitation. Je considère le concept de la quatrième théorie politique comme l'invitation à penser. Il me semble que l'autre amont français a dit, la poésie est faite par tous, non par un. Donc je crois que quatrième théorie politique, ne peut être faite par un ou par groupe, c'est par tous, parce que de ça dépend tout. De ça dépend l'histoire, le sens de l'histoire, le sens de l'Europe, le sens de la Russie, le sens des États-Unis, le sens de l'humanité en quelque sorte. Si on réussit d'homogénéiser quatrième théorie politique, nous tous, donc nous aurons un futur, sinon l'autre, aucun. Donc je vous remercie. À vous voir, en fait, je vous connaissais un peu par le livre d'Emmanuel Carrère, Limonov, qui avait eu le prix Renaud de l'année dernière, et je m'attendais à voir dire quelqu'un avec un français un peu approximatif, etc. Et je suis assez agréablement surpris déjà sur cet aspect-là. Vous avez dit tout à l'heure que vous rejetiez au nom de la quatrième théorie politique la lecture de classe, la lutte de classe. Moi, j'estime qu'on peut articuler la lutte des classes, la lecture de classe d'une société avec une sorte de patriotisme, d'attachement à l'État-nation. Par exemple, c'est ce qu'essaie aujourd'hui de faire
à sa manière Hugo Chavez en Amérique latine. Daniel Ortega, c'est ce qu'ont essayé un peu de faire aussi les sandinistes. Il y avait aussi un courant maoïste qu'on appelait les nationaux maoïstes ou les nazis maoïstes, qui essaie aussi d'articuler la nation et la lecture de classe. D'une certaine façon, c'est aussi ce qu'essaie de faire, parce que je vois qu'ils vendent le livre de Casapang. C'est ce qu'essaie de faire Casapang aussi en Italie. C'est essayer d'allier les deux. Après, vous allez me répondre. Nous, on a tenté ça dans les années 90 en alliant les deux théories politiques, communistes et fascistes. Et d'ailleurs, à la fin, après la Première Guerre mondiale, quand on se rapporte au programme fasciste, il est très social. Il est, et d'ailleurs, en 1943, la République de Salo de Mussolini était très sociale, c'était presque anticapitaliste même. Voilà, oui, c'était anticapitaliste. On ne pensait pas justement qu'on peut encore aujourd'hui, à l'image de Chavez ou de Morales, qui est aussi quelqu'un patriote, voire identitaire à sa façon, allier les deux, allier encore une lecture de classe et un patriotisme, au lieu d'aller chercher quelque chose qui est hypothétique. Parce que vous parlez d'une invitation à trouver quelque chose de totalement nouveau, mais finalement, on est toujours influencé par des choses qui se sont déjà passées. Donc, voilà ma question. Moi, je crois encore à ça. Je crois encore à une lecture de classe qui puisse être conciliable à travers un attachement patriotique. Voilà. Merci. Je considère que, cette manière à voir la situation me paraît assez juste, mais une égalité des forces de notre côté et de côté d'eux. Et grande possibilité de faire le simulacre de leur part, parce que sous mes yeux, les représentants de droite radicale et la gauche radicale et même national-bolchevisme qui voulait faire ça devient de plus en plus le paradis. Peut-être si cette tactique pourrait être efficace, ça sera suffisant et on ne devra pas songer, créer, imaginer quelques quatrième théorie politique. C'était mon opinion plus ou moins il y a 15 ans, mais on voit maintenant que ce n'est pas assez et que les États-nations ne sont pas suffisants dans ce cas, et que le discours des classes au sein de la nation n'est pas soutenable. Même Chavez, que vous avez cité, et Evo Morales, nous sommes dans les relations très bonnes avec les ambassades et les cercles intellectuels de ces deux personnages que j'ai en grande estime. Ils aussi maintenant se retrouvent dans certains impasses intellectuelles. Et que faire au futur? Par exemple, Chavez a proposé la création de grands espaces latino-américains, donc avec la décomposition des nations, des États-nations latino-américaine. Donc, Evo Morales, qui précisément insiste sur la même position que vous avez décrite, exactement, justement, il, lui, à travers certains intellectuels proches, veut développer quelques nouveaux discours. Il n'est pas content de ce qu'on a, ni Chavez, ni Morales. Tout le monde comprend qu'il faut aller au-delà de tout ça. C'est pourquoi, en niant pas certaines valeurs, dans les efforts d'unir gauche et droite dans ce sens, je crois qu'il faut voir plus loin. C'est tout. Donc, n'estime pas que la lecture des classes
des nations, surtout, surtout des races, est total, disons, plus acceptable dans, pour préparer l'alternative au libéralisme triomphant. Mais en même temps, je considère que historiquement, toute la lutte historique, idéologique, politique et sociale contre le libéralisme était justifiée. Donc dans les autres situations, dans les autres époques, je serais aux côtés de n'importe quel groupe, mouvement, force politique qui luttait contre le libéralisme, parce que je considère que c'est vraiment le mal absolu pour moi, le libéralisme. Mais je crois que quand même, disons, la quatrième théorie politique, c'est le pas en avant qui prolonge en quelque sorte le vecteur qui a été ébauché par, dans les années 90 par cet appel à unir la gauche et la droite dans la création du front anticapitaliste commun. Et je crois que nous sommes en quelque, nous étions avec Christian en avant-garde de ce mouvement-là, et maintenant nous passons dans l'autre stade, c'est tout. C'est pas facile d'être toujours un peu en avant disons, des processus qui se déroulent, mais je crois qu'il n'y a pas les contradictions dans votre, disons, dans votre orientation morale, je dirais, et ce que et les idées exprimées dans la quatrième théorie politique. Mais après, savoir plus, ou penser plus sur la quatrième théorie politique, peut-être ce passage-là, à partir de la lecture de classe vers la lecture à partir de Dasein, j'espère, pour vous, sera plus, disons, plus clair, plus naturel, on paraîtra plus naturel. Peut-être... Non. Oui, bonjour. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez présenté une séparation entre un nord bourgeois et un sud prolétaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une autre séparation qui est en train de se créer? C'est qu'on parle d'une élite globalisée mondiale qui habiterait dans un réseau de villes, par exemple, donc on va dire Moscou, Paris, Saint-Pétersbourg, New York, Berlin, tout ça, enfin Rio, Brasilia, tout ça, et le reste de l'humanité. Et je pense qu'on a vu ça, par exemple, dans votre pays, donc au moment donc, des manifestations qui ont été tant médiatisées. On a vu une élite moscovite descendre dans la rue, tandis que les gens qui habitaient dans les villes, je dirais, des régions, de la province, et je pense notamment à ce chef monteur dans une usine de chars, hein, à Oural-Vagonzavod, et on voyait vraiment l'opposition entre un monde, je dirais, élitiste, urbain, et je dirais un monde plutôt prolétaire, mais en dehors de cette modernité, entre guillemets, urbaine. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition est en train de se créer à ce niveau-là? Je crois que oui, vous avez raison, absolument. Mais c'est en quelque sorte, le Nord riche, c'est le concept non pas seulement géographique. C'est philosophique. Philosophique et, disons, global aussi. Parce que le Nord riche se globalise, mais en même temps, le Sud... périphérie aussi, le sud global se globalise aussi, parce que on a les représentations des gens de troisième monde ou de la périphérie, même dans les capitaux des pays européens ou américains. Donc, il y a globalisation de deux concepts, mais finalement, il y a certains liens entre la géographie, disons, et la situation des classes qui restent encore. Et c'est très important et va rester quelques temps. Parce que concentration des riches et des richesses dans le nord et l'absence totale des richesses dans le sud global, c'est le fait. Le procès de globalisation
fait changer cette situation, mais le Nord aussi devient global, comme le Sud, mais pas encore, c'est le fait. Par exemple, la géographie de la Russie montre que finalement, c'est la minorité du Nord vers la majorité du pays de deuxième monde ou du Sud. Et ces proportions très importantes, parce que en Occident, on a montré sûrement les images des protestateurs. J'ai participé, j'étais un des orateurs dans la grande manifestation en faveur de Poutine, qui n'était pas très peu filmée. Il y avait 100 fois, 10 fois plus de gens, mais il n'était pas présentable, il était russe, il était le russe des masses. Donc nous avons aussi le problème, les masses contre l'élite, les masses russes contre l'élite occidentalisée. C'est donc c'est le Nord et le Sud où se trouvent à l'intérieur de nous. Et notre idée, c'est obliger l'élite russe de respecter les lois de la civilisation, de recréer ou retourner à sa identité russe. Et c'est en quelque sorte le pacte civilisationnel. C'est le racisme. On peut être riche, mais on doit rester russe. Si on reste russe, c'est obligation. Certaines obligations, il doit prendre les considérations des autres Russes, comme les musulmans aussi. Ils limitent juridiquement certaines possibilités de s'enrichir, au moins en théorie. On devient riche, on doit aussi aider aux pauvres musulmans, basé sur la communauté religieuse. Ici, chez nous, nous proposons la communauté civilisationnelle. Donc, tu es riche, bien, mais tu es russe. Donc, donne l'argent aux autres russes, à l'État, aux services publics, etc., etc. Donc, c'était pour moi, en quelque sorte, le pacte de Poutine imposé sur les oligarques. Les gens ont appris à accepter, les autres se sont protestés. Ceux qui sont protestés sont ou en prison, ou à Londres, ou en Israël, dans les autres pays. Mais ceux qui ont accepté ne sont pas tellement loyaux. C'est un problème aussi. Bon, il y aura l'autre vague des ORS, je crois. La déportation. J'aimerais que vous reveniez sur la formulation de ce choix de communauté civilisationnelle, parce que vous tenez à le considérer encore comme un choix d'individu ou de peuple ou de civilisation libre, mais c'est un choix finalement assez contraint, puisque c'est le choix du destin, finalement, le choix de forces profondes civilisationnelles, que ce soit ethniques, religieuses, culturelles. Et à ce moment-là, cette invitation, ce choix-là peut être assez problématique dans sa formulation, puisque l'histoire a fait que les bassins civilisationnels se sont dilués et se marchent les uns sur les autres. Et donc sa formulation est problématique, à moins qu'on soit dans une situation de centre de pôle comme peuvent l'être les Russes. Donc ma question, c'est comment, dans le cas par exemple de l'Eurasie, vous pouvez convaincre votre étranger proche, qui fait partie indéniablement de la civilisation eurasiatique, dans votre vision eurasienne, qui a peut-être un peu de mal à se sortir de son nationalisme, russe. J'étais par exemple assez étonné que vous insurgez contre le fait que des immigrés d'Asie centrale viennent en Russie, alors que l'Asie centrale est un des centres de l'Eurasie normalement. Voilà, comment vous pouvez convaincre cet étranger proche à votre vision eurasiste? Est-ce que le Caucase ou l'Asie centrale a la même vision du besoin du tsar ou ce genre de choses? Voilà. D'accord. Il faut comprendre que l'idée de créer l'Union eurasiatique, ce n'était pas l'idée de Poutine, c'était l'idée de Nazarbayev, le président de Kazakhstan.
Il a dit que l'intégration avec la Russie était soutenue et, disons, promue par Loukachenko, le président de Biélorussie. Et Poutine était très hésitant pendant 12 ans à accepter le projet de l'intégration eurasienne. Donc, ça montre qu'au moins deux pays très important quant à la population, à l'espace, le Kazakhstan, trois France à mon avis, par les territoires. Comment ceux qui aussi comprennent la nécessité de l'intégration. C'est pour commencer. À propos des autres pays, il y a dans ces pays, deux secteurs, toujours. Un secteur se trouve qui est en faveur de l'intégration, et c'est toutes les enquêtes sociologiques le montrent. Par exemple, les gens qui votent pour Yanukovych en Ukraine, ce sont les gens qui sont en faveur de l'Union eurasienne, de l'Union avec la Russie. Et toujours, il y a l'autre part dont la proportion varie. C'est en fonction des minorités russes dans ces pays. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que il n'y a pas, par exemple, qui sont les Ukrainiennes. Ils ne sont pas ni russes ni non russes. C'est vraiment, il y a la frontière de la civilisation européenne, eurasienne, passe par Dnepr. Mais ce n'est pas ethnique, c'est culturel, social. On peut lier à la religion parce qu'il y a la majorité des Ukrainiennes sont orthodoxes, mais la partie sont orthodoxes nationalistes, les autres uniates, etc., etc. Mais finalement, toujours il y a les secteurs de la population qui ne sont pas ethniquement russes, mais qui préfèrent l'intégration. La même chose avec l'Arménie, la même chose même avec certains parties de population géorgienne. Maintenant, il y a l'autre chef de la Géorgie, proprement dit, parce qu'il passe à la République parlementaire à partir de la République présidentielle, comme avant. Ivanishvili, précisément, c'est le chef du parti qui a gagné les dernières élections. Il est en faveur de certaines coopérations et après, intégration avec nous. Donc, ça dépend non pas de l'absence de la volonté des sociétés, mais de la force, de la pression sur les sociétés ou des agents américains directs, libéraux, hégémoniques, unipolaristes, qui est toujours là, sur place, ou de certaines élites nationalistes qui veulent continuer exploiter sans les élites russes économiques, bien sûr, leur territoire. Donc, tous ces facteurs, on doit se rendre compte de ces particularités et proposer, disons, l'image sudisante, si vous voulez, de l'intégration eurasienne. Eurasiatisme doit séduire, non pas être imposé, non pas par la force, parce que ce n'est pas possible, ça ne sera acceptable, ce n'est pas réaliste. Mais il y a les choses qui attirent les gens dans la Russie, qui attire les gens de l'Asie centrale, et cette grande émigration des peuples eurasiatiques des pays de l'Asie centrale montre que la Russie est le pays d'attraction pour eux. Donc, nous sommes pour création, dans le cas de seule et même politéia, non pas peut-être l'État-nation, mais politéia, ils ne seront plus les émigrés, ils seront les citoyens, les mêmes citoyens comme nous. Et il n'y aura plus de problème de l'émigration, comme c'était dans l'État soviétique, quand il n'existait pas. Mais il faut créer nouvelle identité eurasienne,
qui sera troisième ou quatrième version de l'identité impériale, l'identité soviétique, mais cette fois, ça sera l'autre identité. Nous ne pouvons pas retourner directement à, disons, à l'impérialisme tsariste. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable même. Et ce n'est pas même désirable. Donc, impossible, pas désirable, c'est la propagande de considérer les Russes d'aujourd'hui comme les colonialistes impérialistes. Nous ne sommes plus impérialistes et colonialistes parce que nous n'avons pas les forces de le faire, peut-être. Mais finalement, notre ethnie, notre société se trouve en dégradation évidente. Et ce que nous voulons, c'est conserver notre possibilité du futur ou possible indépendant, ouvert, et non pas fermé dans le cas de la continuation des réformes occidentalistes. Quant à choix, ce n'est pas vraiment facile de le faire, je suis d'accord, mais je crois que nous devons aider à formuler le choix. C'est très important parce que c'est la lutte symbolique pour les arguments. Parce que quand on pose la question, qu'est-ce que vous choisissez, être pauvre ou riche, tout le monde choisira riche. Mais on oublie parfois de dire seconde partie. Mais vous serez les esclaves pour ça. Mais bon, vous serez riche et finalement on n'est pas riche. C'est un tromperie. Comme j'ai parlé avec Brzezinski à Washington, j'ai dit à lui, mais vous avez promis à Gorbatchev de retirer les armées de l'OTAN, de la Germanie de l'Ouest. Elle m'a dit, nous l'ont trompé. Bon, c'est parfait, bon, c'est pour le business, c'est très bon argument. Nous avons trompé quelqu'un, nous avons gagné l'argent, bien, c'est celui qui est le vainqueur. Nous l'avons trompé, à Gorbatchev, a dit Brzezinski. We have tricked him, littéralement. Bon, c'est un peu pareil à diable. Il vous propose d'être riche ou pauvre, et après dit, mais votre âme m'appartient, et vous ne serez pas riche. Donc, tout ce que vous avez, c'est bien la manière de procéder du libéralisme, par exemple. Je crois. Le problème pour l'Europe se pose. Comment l'Europe peut faire le choix? Je crois que ce n'est pas le choix entre les États-Unis et l'Eurasie. Absolument. Cette fois, pas du tout. Entre le capitalisme, le socialisme. Mais c'est le choix entre l'Europe européenne et l'Europe américaine, l'Europe atlantiste. Donc l'Europe libre ou l'Europe esclave. L'Europe avec ses propres intérêts, sa propre identité stratégique avec ses intérêts, etc., avec ses valeurs, avec sa civilisation, ou l'Europe comme sub-puissance ou sub-hégémonie, sous-hégémonie, sous-impérialisme américain. Donc, Alain Soral pose le problème, à mon avis, de manière très juste. Si où nous voulons l'Europe, vous voulez européenne, l'Europe européenne, non pas russe, non pas américaine, où vous aurez l'Europe américaine. Et il n'y a aucune possibilité que vous aurez l'Europe russe, parce que les Russes ne sont pas capables d'envahir l'Europe. C'est le fait, parce que nous avons tant de problèmes à l'intérieur que c'est exclu. Quand les Turcs se sont rendus compte de ça, ils ont changer complètement attitude par rapport à la Russie. Après avoir compris que le danger n'existe plus. La Russie n'est plus danger pour l'Europe et dans les 100 années, ça ne pourra pas devenir. Avec seule exception, si les États-Unis utilisent la terre européenne pour nous attaquer nucléairement ou autrement. Donc nous serons obligés de répondre contre l'attaque. Mais c'est la seule chose. Le danger, c'est les États-Unis. C'est vraiment un danger. Le danger, c'est l'impérialisme libéral. Le danger, c'est le status quo. Parce que si on continue dans le genre que nous voyons maintenant en Europe,
Il ne faut pas être prophète pour dire que ça va finir très, très vite et très mal pour l'Europe et pour les Européens, parce que c'est en quelque sorte le cours suicidaire. Et ce n'est pas seulement moi ou Alain de Benoist le disons, moi aussi, par exemple, Edgar Morin, dans son livre, Vers l'abîme. Vers l'abîme. Le seul, chemin de l'Europe actuelle. Mais bon, donc le choix pour l'Europe, je crois, non, ce n'est pas l'eurasisme ou l'atlantisme, mais c'est être ou n'être pas. Si l'Europe veut être, donc c'est bon choix. L'être, c'est bon choix. S'il vous plaît. Bonsoir et merci d'abord. Moi, si je suis là ce soir, c'est une connexion de l'Eurasie que j'ai découverte avec Jean Parvulescu, avec ses romans. Vous avez parlé d'un retour au temps sacré, à des valeurs éternelles, pas ni début ni fin. Vous avez parlé de Chavez en Amérique latine, une espèce de foi populaire chrétienne, une foi qui est liée au peuple, voilà. Votre pays de la Russie a le christianisme orthodoxe qui est encore extrêmement présent et c'est pareil, c'est une foi très populaire. Et moi, ma question, pour avoir un petit peu votre avis et peut-être celui de M. Boucher, c'est par rapport à nous, à la vieille Europe, Espagne, Irlande, Italie. Le constat est qu'au niveau du christianisme, il n'y a plus grand-chose. Peut-être que certains catholiques ici m'en voudront, mais en ayant conscience de ça, c'est vrai qu'on n'a plus une vraie foi populaire répandue. Un athéisme et le plaisir tout de suite et le contre-coup de mai 68. Donc, comment se positionner un petit peu par rapport à ça, surtout quand vous parlez du rapport à la civilisation et donc au sacré, nous, actuellement, donc hors Russie, hors Amérique du Sud, vraiment dans la vieille Europe où il y a un matérialisme qui tous les jours c'est vraiment de pire en pire, comment se positionner et, voilà, quand, et surtout en ayant à l'esprit. Des choses comme le salafisme, qui sont vraiment, pour moi, c'est le diable, hein, c'est une négation. Voilà. L'autre, surtout, est l'impérialisme américain. Exactement, un produit de, voilà. Mm-hmm. Donc, étant donné que je parlais avec le jeune homme qui est là tout à l'heure, je parlais un petit peu du soufisme, moi j'ai pu voir, j'ai vécu une dizaine d'années à Paris, que l'islam des grands-pères, l'islam soufi traditionnel se perdait quand même de plus en plus. Maintenant, avec les chaînes satellitaires, on voit le wahhabisme qui rentre directement, voilà, qui influe beaucoup. Donc, sans tomber dans un discours un petit peu identitaire ou de peur par rapport à ça, comment se positionner vraiment, nous, dans la vieille Europe, par rapport au sacré? Je crois que c'est difficile de c'est les Européens, à mon avis, doivent décider leur méthode, leur voie de retrouver. Sacré, mon ami, regretté Jean Parvulescu, penser sur certaines merveilles qui doivent se produire, certains retours des grands temps, comme il appelait son roman excellent. Donc, comment nous ne savons pas les voies de Dieu. Donc peut-être, quand, comme l'autre anarchiste a dit, que rien n'est pas perdu jusqu'au moment où tout est perdu. Donc si on existe, on a l'espoir. Si on est là, ici, donc on toujours peut imaginer quelque chose, ou peut-être la grâce divine, se manifestera d'une manière inattendue. C'est en ce que croyait Jean Parvulescu, le retour du sacré. Alain de Benoist, d'une manière plus rationnelle, pense sur le retour à certaines traditions culturelles et populaires de temps pré-chrétien. Je crois que peut-être c'est le choix aussi pour certains. Partie. Peut-être on peut redécouvrir les racines sacrées du catholicisme, c'est l'autre possibilité. On peut
comme certains traditionnalistes essayaient de chercher dans l'islam ésotérique et traditionnel. J'ai rencontré en Italie, il y a quelques jours, le cheikh Abdelwahid Palavicini, qui était envoyé à l'islam par Julius Evola, Claudio Muti, aussi l'autre représentant de Tarikat Soufi, et tous les deux italiens de pure souche, et Palavicini était de la famille royale italienne, donc c'est qui était italien européen. Pour eux, c'est la solution. Mais je n'exclus pas aussi qu'on certains parmi les Européens peut retrouver christianisme sacré au sein de l'orthodoxie, parce que c'est peut-être plus proche que l'islam, plus européenne par les origines grecques, par l'existence des centres spirituels, l'église orthodoxe. Je n'insiste pas parce que sinon on dit que c'est encore une fois l'impérialisme russe, mais je préfère de mentionner cette possibilité vers la fin de la liste, parce qu'il y a les autres, parce qu'ils dépendent du choix libre, totalement libre des Européens. Mais je crois, si on s'éloigne tant de catholicisme qu'on rentre en islam dans les recherches de sacré, c'est la tradition orthodoxe qui appartient à l'autre civilisation, que civilisation de l'Europe occidentale, c'est sûr, à l'autre civilisation, quand même à moitié voire par rapport à l'islam. C'est beaucoup plus proche. C'est l'autre civilisation, mais le lien avec l'Europe ne sont pas tellement distanciés, ne sont pas tellement grands. Donc, je ne le suggère pas, même Alain de Bain lui-même, une fois, a dit, si je serais chrétien, je serais orthodoxe. Mais je ne suis pas chrétien. Bon, je le comprends absolument, parce que dans le christianisme orthodoxe, on a conservé le sens de la communauté. Beaucoup de traditions populaires, mais aussi les dimensions sacrées et même ésotériques. J'ai écrit le livre là-dessus qui s'appelle « L'ésotérisme de la bonne nouvelle » sur l'ésotérisme et sur l'initiation en orthodoxie, en église orthodoxe. Donc ça existe toujours, c'est disponible dans la tradition orthodoxe, dans tous les pays où il y a les paroisses, les églises orthodoxes. Il y a à Bordeaux, j'ai vu ce matin l'église orthodoxe serbe en langue française et occitan. Et donc, je crois qu'il y a les autres. Peut-être qu'il y a les églises grecques, romaniennes, russes, etc. Donc, mais je crois que ce n'est pas facile de déchiffrer le sens de civilisation. Et à mon avis, l'auteur, le penseur comme Martin Heidegger, représente l'Europe dans le sens plus profond. Donc l'Europe de l'être, l'Europe ontologique. Je crois que c'était l'auteur, le philosophe très tragique. J'ai écrit deux livres sur lui, sur Heidegger. Je pense qu'il est extrêmement profond, très nécessaire dans la situation actuelle pour les Russes. Et je crois que je l'ai découverte de la pensée de Heidegger. La lecture de Heidegger, d'un côté, peut très considérablement aidé à la découverte de l'identité européenne, et parce qu'il était en recherche du sacré, aussi. Et d'autre côté, on peut retourner vers les sources, vers la philosophie platonicienne, parce que le Platon et les néoplatoniciens, surtout, que j'étudie aussi,
C'est vraiment c'est la richesse inestimable de la pensée du sacré, du sens du sacré, totalement opposée à l'otamisme, individualisme actuel. Parce que je crois que l'Europe actuelle, officielle, est anti-platonique. Je crois qu'on peut créer le front à platonicien. Sans préciser qu'il s'agit des musulmans, des orthodoxes, des païens, nous tous sommes les platoniciens et heideggeriens en même temps. Donc c'est pas facile de réconcilier, mais je crois que ça sera une bonne orientation de créer le fond intellectuel, spirituel et politique, mais platonique. Christian, peut-être tu vois quelque chose à... Sur cette question-là, ouais. Moi je l'avais déjà dit dans un colloque à Moscou, je pense que toute conversion est une forme de tourisme spirituel. Donc en fait, quand on a été élevé dans une foi, on ne peut pas se convertir à une autre religion, parce que dans ce cas-là, on fait du tourisme. Maintenant, c'est vrai pour les gens qui sont de ma génération, parce qu'on a encore connu le catholicisme en France. Ceux qui sont des générations de mon fils ou des générations plus jeunes, ils n'ont pas été élevés dans une foi qui était réelle. Donc en fait, ils n'ont même pas le problème d'une conversion à une nouvelle religion. Ils ont tout simplement le problème, pour beaucoup, d'entrer dans une relation première entrée, quoi. Donc pour eux, le problème n'est pas le même. Mais pour ceux de ma génération, on ne peut pas se convertir, puisque si on se convertit, c'est quelque chose qui est... On va aller faire du... J'en ai vu beaucoup, hein, parce que comme j'ai quand même fréquenté le milieu traditionnaliste pendant longtemps, j'en ai vu beaucoup qui étaient un jour bouddhistes tibétains, après on les a retrouvés soufis, après... Voilà. Et ils ne font que des conversions, successives, quoi. Et ce qui est vraiment du tourisme, ce qui est le monde moderne. Il y avait une autre chose, quand vous parliez de l'islam, là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que... vous savez, on nous parle régulièrement, en Algérie et au Maroc, on nous parle régulièrement des persécutions antichrétiennes. En fait, qui persécute-t-on en Algérie ou au Maroc? On persécute des évangélistes. Ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas certain qu'entre un salafiste et un évangéliste, il y en ait un qui soit mieux que l'autre. C'est aussi la deux phases. Enfin, entre un wahhabite et puis un mec qui suit Jerry Falwell, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc on n'a pas de raison, on n'a aucune raison de soutenir les salafistes, mais on n'a non plus aucune raison de soutenir ces espèces de sectes protestantes qui essaient de s'implanter dans les pays et qui sont, à mon sens, aussi nuisibles pour les cultures populaires, quoi. Alors, quand on voit, là, c'était tout récemment, enfin bon, il y a des destructions en Libye, en Égypte, dans tout le Maghreb, en fait, il y a des destructions continuelles de lieux saints, de tariqa et tout ça. C'est quelque chose qui est dramatique et c'est en fait, c'est aussi nous qu'on agresse en faisant ça, puisqu'en fait, ceux qui se reconnaissent de la tradition sont tous unis dans le front de la tradition, quoi. Je voyais quand tu parlais là du cher qui s'est fait assassiner dans le Caucase aussi, c'est pareil, quoi. C'est un des nôtres qu'on assassine, quoi. Et ça, c'est les bras armés, les lointains bras armés de l'impérialisme américain, quoi, qui sont en train de faire ça, quoi. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon. Bonsoir, vous avez parlé du président Kazakhstan, Nazarbayev. Il y a quelques années, il a organisé, reçu, je sais pas comment dire, le Parlement des religions. C'était pour savoir du votre point de vue, comment est-ce qu'on peut interpréter ça. Bon, c'était, je suis en contact avec Nazarbayev personnel. J'ai écrit le livre sur Nazarbayev qui récemment a été publié en Italie. Mais cette fois, je ne partage pas cette idée parce que je ne crois pas qu'il y a vraiment ces dimensions sérieuses dans ça. C'est en quelque sorte la démonstration de ce que le racisme, parce que Nazarbayev est raciste, peut théoriquement organiser un dialogue pacifique entre religions différentes des peuples de l'Eurasie. Donc l'idée est excellente, à mon avis, et l'organisation et tout ça, mais je crois que
Les différences théologiques entre les religions sont tellement profondes et tellement délicates qu'il faut organiser les forums comme ça avec une certaine prudence, je dirais. Parce que sinon, ça sera amalgame, ça sera confusion, ça sera tolérance et quelque chose dans ce genre. Pour organiser réelle rencontre eurasiste des religions, il faut les compétences qui sont assez rares. Je crois que, disons, l'orientation est bonne dans le cas de ce Parlement des religions de la part du président Nazarbayev, mais réalisation, pour l'instant, reste assez imparfaite. Donc, peut-être ça va devenir quelque chose de plus profond. Maintenant, c'est pas plus que diplomatie. Diplomatie, donc, assez agréable, mais sans peut-être conçu comme quelque chose de plus, comme création de véritables centres spirituels. Et c'est l'idée aussi de certains Hermano Wiesentainer, italien actuel, qui a écrit le livre sur Yassavi et dans l'édition Vox Populi, l'autre édition eurasiste italien, que cette initiative de Nazarbayev était plus ou moins dans les résonances avec certains milieux soufis kazakhs, au nom de certains Yassavi, qui était un des premiers islamisateurs turc, grand pôle dans le soufisme turc, Yassavi. Mais pour l'instant, je ne puis pas dire que c'est quelque chose de réussi. À mon avis, il y a, disons, l'orientation est bonne, mais réalisation pas encore sérieuse, je dirais. Ne pensez-vous pas que le peuple russe ou l'orthodoxie, ou tous les peuples, en l'occurrence de l'Est, en l'occurrence la religion russe-orthodoxe, si on le prend en polarité par rapport à nous ici à l'Occident, à la découvrir, à faire une forme de synthèse, de syncrétisme avec les autres cultures. Je pensais à Georges Berdjieff, le mystique, qui j'ai vu rencontre avec des hommes remarquables, et j'ai vu en fin de compte qu'un type comme ça ait fait l'effort en fin de compte. En tant que chrétien orthodoxe, je pense qu'il était orthodoxe de découvrir ainsi de notre culture et de faire une forme de syncrétisme. Je le vois aussi avec par exemple le national-bolchevisme qui, j'avais découvert ça en lisant la révolution conservatrice en fin de compte dans les années 30. Il y a d'ailleurs les intellectuels de cette période-là disaient qu'en fin de compte, ici en Occident ne faisait pas partie en fin de compte de ce qu'ils appelaient la Mitte Europa, c'est-à-dire les peuples de penser aussi que l'Allemagne ne faisait pas partie en fin de compte de l'Occident en fin de compte à cette époque-là. Et donc, ce qui me frappe en fin de compte, que ce soit autant dans l'ésotérisme avec Berdjieff ou alors dans la pensée politique, je trouve qu'à l'Est, il y a cette formidable pensée à toujours faire des synthèses, que ce soit le national-bolchevisme ou Berdjieff, à travers le fait d'aller voir tous les pôles de tradition, de s'intéresser à beaucoup de choses. Tout ça, tous ces mouvements, toute cette démarche, c'est assez précurseur en fin de compte de le racisme, vous ne trouvez pas ? Dans certaines mesures, oui. Même il y a certains mystiques qui voulaient proposer certaines, disons, synthèses des religions comme Rerich, par exemple. Il se reconnaît dans le racisme aussi. Rerich était l'auteur mystique. Peut-être, mais juste dans ce sens, je suis guénonien. Et je crois que il y a, disons, la spiritualité parodique qui propose la synthèse avant
les réalisations spirituelles dans le cadre de la religion orthodoxe. Je crois que c'est presque la même réponse que la question précédente. Je crois qu'il faut procéder avec certaine prudence par rapport au dialogue des religions, et parce que sinon on aura la parodie. Parce que Guénon disait que peut-être vers la certaine phase historique, il n'y aura plus le conflit entre la religion et le matérialisme, mais entre la religion et la paradis de la religion, pseudo-religion ou anti-religion en quelque sorte. Et il a stigmatisé ce phénomène-là par le nom néo-spiritualisme. Il considère par exemple Rorich et Gurdjieff comme néo-spiritualistes, Guénon. Mais en même temps, je crois qu'il faut étudier les religions en Eurasie. Surtout, mais aussi en Europe. Aujourd'hui, il y a les religions différentes, mais on ne peut pas comprendre les religions des autres si on n'a pas religion, on ne comprend pas sa propre religion. Et dans ce cas, je suis tout à fait d'accord avec Christian Boucher, que ce que nous pouvons comprendre l'autre religion, si nous connaissons bien notre religion. Seulement, sans ça, ça sera, disons, le divertissement, rien de plus. Et je crois que, en même temps, les autres religions nous peuvent aider de développer notre connaissance de notre propre religion. Et cette comparaison est très, très positive, à mon avis, mais toujours, il faut avoir une seule identité. Si on approche vers le centre de notre religion, on verra mieux comme les rayons de la roue qui approche au centre, au noyau, on s'approche aussi aux autres religions. Mais voulant de passer à l'autre, on s'éloigne du centre. On perd sa propre religion, on perd la place dans cette rue. Donc, je crois que même ce qui est drôle, ce que Gurdjieff aussi disait sur la quatrième voie, il qualifiait sa doctrine quatrième voie, et même les Gurdjieffiens actuels ont fait les premières le compte rendu sur mon livre sur quatrième théorie politique, parce qu'ils ont remarqué par la chance certaines affinités des noms. Mais je crois que cette affinité apparente, c'est tout qui unit quatrième théorie politique avec la doctrine de Gurdjieff, mais qui est assez intéressant d'ailleurs, je dirais. Et je crois que quand même, Guénon aussi, il disait qu'il existait la tradition primordiale, commune aux autres traditions, mais recherche de cette tradition primordiale, je considère comme très légitime, mais je considère aussi que c'est possible en suivant le cours de sa propre religion traditionnelle et non pas secte, hérésie ou quelques mouvements mystiques datant de la modernité ou néo-spiritualiste qui proprement est la création de la modernité liquide actuellement, quand la pseudo-religion rentre en place du matérialisme de hier. Donc c'était aussi préconisé par Guénon comme la grande paradis ou la dernière phase de la modernité. Dissolution, après la solidification du monde. Là-dessus, j'ai écrit. Il se trouve que j'ai écrit une biographie de comment s'appelle-t-il de Gurdjieff. J'ai écrit une biographie de Gurdjieff. J'ai écrit plusieurs biographies de maîtres spirituels comme ça. C'était sans doute Gurdjieff qui était le plus simple psychologiquement. Bon, il y a pas mal de choses intéressantes chez Gurdjieff, mais
c'est quand même, si on le place dans l'histoire des spiritualités divergentes, il est dans une période de la Russie où il y en a tout plein qui apparaissent. Et lui choisit l'exil, et c'est pour ça qu'on le connaît en Occident, mais c'est pas certain, il n'était pas le seul. Il y a beaucoup d'orientalisme pour le fait qu'il soit adopté par les Occidentaux par la suite. Bon, Alexandre a parlé de Röhrich. De Röhrich, oui. Röhrich, par contre, c'est du délire absolu, quoi. C'est du délire absolu. C'est de la grande folie, quoi. De la grande folie. Mais à cette époque-là, c'était pas encore rentré dans l'intérêt des en Occident. Le bouddhisme n'était pas encore arrivé, l'hindouisme était à peine arrivé. Donc en fait, notre orientalisme le plus proche, c'était le style Gurdjieff. C'est ce qui explique qu'il a beaucoup touché les gens à cette époque-là. Bon, alors par contre, effectivement, il est d'un meilleur niveau que beaucoup de maîtres spirituels de cette époque-là, quoi. Mais je suis pas certain qu'il valait tant que ça, quoi. Je suis pas certain qu'il valait tant que ça. Enfin bon, ses disciples, j'avais eu l'occasion de rencontrer ses disciples, j'avais eu l'occasion de rencontrer un de ses fils adultérin, quoi. Ils avaient quand même une certaine tenue et une certaine gueule, quoi. Ça c'était incontestable. C'était des gens qui se tenaient, quoi. Voilà. C'est pas de la tradition. Enfin, c'est pas. Enfin, je pense pas que tu penses que ce soit la tradition, Alexandre. Non. Non. Bonsoir, monsieur. Merci pour la conférence. Il me semble logiquement, à l'issue de tout ce que vous venez de développer comme idée, il me semble que l'acteur que vous recherchez en tant qu'alternative et qui pourrait transcender finalement la religion, les différences culturelles, les traditions et l'identité culturelle en tant que telle, qui à partir d'un certain stade de développement devient un véritable pôle civilisationnel, si on veut. Et je voudrais que vous développiez un peu cette idée, ou vous me disiez ce que vous en pensez. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Merci. À propos de l'identité culturelle. Est-ce que ça pourrait s'imposer en tant qu'acteur de la quatrième théorie ? Oui, précisément ça. Parce que c'est très intéressant. J'ai écrit le livre, comme j'ai dit, sur Heidegger. Et deux livres. Le premier livre était consacré à son idée de l'autre commencement, au second commencement de la philosophie occidentale. Et deuxième livre était consacré à Heidegger et la Russie, et la philosophie russe, où je suis arrivé à la conclusion que Dasein, qui pour Heidegger était, disons, le plus universel que peut exister, n'est pas tellement universel, parce que, en comparaison avec l'instance similaire dans la culture russe, on arrive à la conclusion que quelque chose ne marche pas, que certains existentiels, il appelle ça en allemand existentiel, ne correspondent pas dans les existentiels de Dasein russe. Donc il y a multiplicité des Dasein, multitude des Dasein, donc Dasein, c'est quelque chose qui se trouve en base de l'identité culturelle. Et donc, s'il y a la multitude ou multipolarité des Dasein, ça explique en quelque sorte la multitude des pôles et des civilisations. Je crois que ce que vous avez demandé, si j'ai compris bien, comment passer de cette identité culturelle ou Dasein vers l'expression politique. C'est vraiment extrêmement intéressant. Ce sort des recherches est seulement commencé. Il n'y a pas des grands résultats, pas encore. Mais premièrement, nous voulions de rassembler les termes
qui sont plus ou moins résonnants par rapport à l'identité culturelle. C'était le terme « peuple » qui est porteur de l'identité culturelle. C'est aussi le terme « logos », logos mais avec minuscule, « un des logoi ». Donc ce n'est pas logos universel, mais certains logos de la civilisation. Les Chinois ont leur propre logos, l'Europe, c'est bien évident, mais les Russes, nous avons notre logos. Qu'est-ce que c'est? C'est pas tellement facile de répondre. J'ai consacré quelques livres à ce problème, mais on peut parler de certains logos russes, de logos Dostoïevski, assez paradoxal. Mais quand même, l'idée, comment de passer de Dasein, identité culturelle, à peuple et logos, vers la politique. Donc, dans la politique, ce n'est pas ni parti, ni l'État, state, ni nation, mais quelque chose d'autre. Nous avons choisi le terme platonique, politeia, c'était le nom, on traduit par république, en français, respublica, mais parce que l'Europe est habituée à la langue latine, avec Platon. Si on retourne aux sources, on a l'affaire à politeia, le terme grec, qui ne signifiait pas ni cité, ni État au sens territorial, ni l'Empire, mais était utilisé comme certaines organisations de la communauté qui représentait tout le cosmos. C'était en quelque sorte ce qu'on appelait en anthropologie ethnocentrum. Ethnocentrum. C'est en quelque sorte le collectif qui reproduit l'univers. Et donc, dans ce cas, ce n'est pas le problème est-il le grand ou le petit ? Politeia peut être petit, peut-être moyen, peut-être grand. La question que ça devra être, qu'elle devra manifester le cosmos en son intégrité. Et c'était le cas des petites ethnies, petites tribus, qui incluent parmi ses membres le soleil, le ciel, la rivière, donc tout le monde. Il y a beaucoup de Marcel Mauss, par exemple, a montré tant des exemples là-dessus, et beaucoup des autres ethnologues, sociologues. Sur le don, notamment. Et c'est sur précisément, il y a beaucoup de passages là-bas sur cette inclusivité de tribus par rapport au monde entier. Donc c'est la politeia, le monde organisé socialement et disons intellectuellement. Si on a politeia, on a la politique. Donc, mais politeia a les racines concrètes dans l'identité culturelle parce qu'on peut organiser le cosmos avec, à l'aide des taxonomies différentes. Donc, les taxonomies ne sont pas, comme le logos n'est pas universel, il n'existe pas les taxonomies, une seule taxonomie. Nous avons habitué les occidentaux à les taxonomies individu, l'espèce, le genre, mais il y a les autres, comme montre très justement Claude Lévi-Strauss. Il y a beaucoup des autres formes de taxonomies, donc il y a beaucoup de forme de l'identité culturelle et beaucoup des politeia. Donc, si on commence de penser dans les termes de la politeia, on peut, proposer la diversité des taxonomies et des diversités des régimes politiques qui peuvent coexister, comme les cultures coexistent. Et d'une manière différente, il ne faut pas insister sur une seule forme. C'est l'universalisme raciste, libéral, nationaliste ou communiste. Parce que tout
trois formes politiques, toutes les trois théories modernes insistent sur l'universalisme de politique. La politique toujours devra être ça ou quelque chose, pour tout le monde. La politique McDo. Oui. Pardon. La politique McDonald's. Oui, oui, maintenant, McDonald's, hier, c'était socialisme, au Goulag, au Ascensim, toujours le même camp de concentration avec le nom différent, parce qu'on veut poser dans le camp de concentration la richesse de monde. C'est en quelque sorte paranoïa de la modernité que ne peut pas... présenter l'altérité, qui ne peut pas avoir les rapports avec le monde vraiment complexe, que rejette la complexité, ne peut pas tolérer. Donc il n'y a plus intolérant qu'est le prophète de la tolérance. Donc on voit maintenant partout ça. Je crois que politéia, c'est la forme dans le sens grec avec l'insistance. Il s'agit de cité de l'état territorial de l'empire, peut-être utilisable pour traduire l'identité culturelle. Je comprends. Mais... Ou peut-être même... Toute petite dernière question à la limite, assez rapidement. Bonjour. Je vous avais vu il y a 2 ans à Paris dans une conférence d'un cercle rabbinique à Paris avec le rabbin Shriki Israélien. Et je me demande quelle était votre perspective pour l'identité juive dans le bassin civilisationnel que vous décrivez. Théoriquement, l'identité juive, comme toute l'autre identité, a le droit légitime pour son identité culturelle, pour son Dasein juif, donc pour sa politeia, pour sa religion, pour le peuple, etc. etc. Mais on voit qu'il y a deux particularités. L'identité juive, aujourd'hui, ne veut pas être acceptée comme une parmi les autres, mais que le seul obligatoire, c'est déjà quelque chose d'autre, parce que c'est en quelque sorte, ça va dans le sens qui contredit la multiplicité des cultures. Il y a les juifs qui défendent la multiplicité des cultures, comme par exemple Franz Boas, Lévi-Strauss et les autres, qui étaient juifs, ou Marc Lazarus, le 19e siècle, l'auteur très, très important pour l'ethnosociologie, l'ethnologie. Et donc, il n'y a pas de problème avec le juif qui reconnaît le droit des autres à l'existence. Mais il y a aussi, hélas, la tendance dans le judaïsme, et surtout dans le judaïsme sécularisé, qui prétend poser les règles pour les autres. Ou tu acceptes le judaïsme comme l'exemplaire, ou tu es sous homme. Il y a beaucoup des exemples, hélas. Donc, ça n'est pas acceptable. Et d'autre côté, il y a le phénomène quand les juifs ne reconnaissent pas leur identité, mais non reconnaissent plus l'identité des autres. Ça pose le problème pour tout le monde, pour eux et surtout pour les gens. Qui vivent avec eux, parce que qui ils sont. Ils parlent au nom de l'homme universel, sans préciser qu'est-ce qu'ils ont en vue. Et c'est l'autre problème, parce que parfois, il peut sembler qu'il s'agit de l'identité cachée. Ils cachent leur identité juive en prétendant n'avoir aucune identité collective, mais en même temps, disons, en prétendant le voir, l'autre identité, non pas juive, ce qui n'est pas honnête, à mon avis. Et peut-être il y a les juifs qui perdent leur identité, vraiment. Et les rabbins, par exemple, le rabbin Shriki, appelle ça le Reb Rav. Les juifs qui ont perdu leur identité,
pour certains rabbins traditionalistes, sont les pires que non-juifs, que les ennemis de juifs, ou que c'était des mondes. Et la guerre eschatologique du judaïsme orthodoxe selon ces rabbins-là consistera dans la lutte contre les juifs perdant leur identité, contre Eref Rav. C'est certains gaons de Vilna affirment. Donc, s'il y a parmi les juifs religieux, traditionnalistes, les gens qui acceptent la multipolarité et la pluralité des cultures et d'identités culturelles, et s'ils considèrent, comme nous, que ces gens-là, sans identité, qui nous imposent leur vérité absolue au nom de quelques idiots abstraits totalement, qui devront, selon eux, obligatoires, donc s'ils acceptent qu'ils ne sont pas normaux, qu'il faut le rejeter, ils peuvent être racistes, ils peuvent participer dans le front commun avec nous, parce qu'il n'y a aucune disqualification a priori pour les juifs, comme pour les représentants des autres communautés religieuses ou ethniques. Il n'existe pas le peuple mauvais, il y a les personnes mauvaises, ou le groupe, ou les tendances, etc. etc. qui... Donc, c'est mon opinion, donc... mais je dois constater qu'avec la situation avec la situation en Syrie, la situation devient pire et pire, parce que même les juifs qui semblaient être plus ouverts par rapport au racisme, dans les derniers temps, se montrent certains doubles étendards par rapport à la Syrie. Par rapport à l'Iran, par exemple. On peut expliquer par certains dangers de confrontation qui menace Israël, mais nous voyons que c'est Israël qui menace les autres, non pas les autres qui menacent Israël. De toute façon, théoriquement, je crois que l'antisémitisme, c'est l'autre forme de racisme occidental, comme libéralisme, par exemple, ou, disons, au communisme. Donc, toute l'idée qu'il y a quelques buts universels ou quelques groupes sociaux exemplaires pour tous les autres, qui parle au nom de l'homme universel, je crois que c'est inadmissible et incompatible avec pluraliste et ouverte, inclusive vision de quatrième théorie politique de l'eurasisme.